It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Attends, c'est le gitan de ses morts, lui. Yo! Ah, salut, ma queen, ça va la forme? Ça va ou quoi, Manito? Tranquille? Ouais, ça va, toi, impeccable. Qu'est-ce que t'as raconté de mauvais? Ben, tranquille, là, je vais ouvrir l'entreprise et à 23h, en plus, il y a un showcase ici, là. Ah, mais je repasserai impeccable pour le concert, alors je vais venir te dire bonjour, j'ai un petit truc pour toi, ouais. Ouais, qu'est-ce que t'as? Peut-être ça m'a t'aider, c'est comme tu m'as fini du cuivron, j'ai l'ai revendu, puis un copain m'avait fini ça l'autre fois, peut-être toi ça m'a t'aider pour nettoyer les bagnoles qui sont bien beaux pour les gens et tout, toi qu'est-ce que je veux dire, moi tes voitures elles sont bien belles, ouais. Pas mal mec, c'est bien ça en vrai. Ben là j'ai pas d'argent pour te payer, mais si tu veux, tout à l'heure moi ce que je te propose, avec ça là, tu prends, tu nettoies les voitures des gens et tu te fais de l'oseille hein, si tu veux. Ah non, mais oui, non, mais c'est vraiment que pour toi, parce que hier tu m'as fait les nettoyages, j'ai revendu, j'ai fait un petit billet, puis j'avais ça qui traînait, je me dis tiens, je vais lui donner comme ça cool. Service pour un service. Bon, ah non, je veux pas nettoyer les voitures, mais oui, je suis pas un clochard quand même. Hein. Non, mais je sais pas, on sait jamais, hein. On sait jamais si tu voulais te faire un billet. Bah vas-y, c'est mieux, en tout cas, c'est cool, je vais envoyer ça là, il y a des gens, ils vont nettoyer les caisses. Fais gaffe, cool. Mais je t'embête pas mieux, c'est pas bon que j'arrive pour le concert, je reviens après pour la musique. Vas-y, alors, mec, à tout à l'heure, c'est à 23h, Renoir. Ouais, d'accord, vas-y. Berdier là, c'est qui lui? Ouais, ouais. Hey, t'as géré les papiers ou pas avec le Gouv? Non, il me répond pas, l'avocat. Pourquoi t'as besoin de l'avocat? On demande la subvention après. Hein. Frère, les papiers, faut bien qu'il me fasse un contrat pro. Oui, en vrai, la subvention. 450 000 $ de facture. Oui, en vrai, non, mais les subventions, on peut les avoir après, en vrai. Voilà, il va me faire un truc au nom en de. En fait, c'est juste que le problème, c'est que si on promet au NIR un tarot et qu'on l'a pas, ça fait chier quoi. Ouais, bah après frérot c'est biqué hein, tu m'expliques, tu me dis voilà frérot, on passera après, t'inquiète. Vas-y. Le temps, tu lui donnes un billet le temps, tu lui donnes 10 000 et voilà. Ouais, non, de toute façon tranquille, on attendra, mais il manque quoi là comme papier concrètement? Juste le contrat signé, faudra que tu mettes, je sais pas comment on va se démerder frérot, il faudra qu'il y ait un mec qui signe au nom de Leandro Ferreira da Costa. Ok, ouais, ça je peux le faire, c'est facile. Ok. Vas-y, ben quand t'as fini tu me dis mec. Vas-y, c'est bon. Vas-y, je te dis. Vas-y. Walloskit. Yo, Wagwan, tranquille ou quoi, BK? Comment tu vas, man? Ça va, Renoir. Dis-moi, je t'ai envoyé là par SMS là qu'on faisait un showcase ce soir au. Ouais. Du coup, je t'explique un peu plus en détail. On a normalement, là, on va avoir une subvention du gouvernement pour vous payer. Donc ça veut dire que là, concrètement, je te le dis. Après, en gros, là, on était censé avoir l'argent avant. Le problème, c'est qu'il nous manque des papiers à donner au gouvernement et tout. Okay. Et du coup, on aura peut-être l'argent après le showcase. Genre, peut-être même pas ce soir, peut-être demain, tu vois. Mais du coup, sur le papier, normalement, on peut vous payer 35 000 pour le showcase. Wow, ok. Voilà, bah au moins les artistes, t'as vu, ils seront bien rémunérés à la hauteur de ce qu'ils méritent, tu vois. Bien sûr, bah c'est lourd, ça fait plaisir. Voilà, donc. Moi j'avais une question à te poser. Ouais. Là j'ai 3 artistes là, moi compris. Il y a AD qui va faire une chanson aussi. Ok, moi je pense que je vais en faire une aussi, potentiellement. Une ou pas? Je vais en faire une en feat avec AD. Un truc qui est jamais sorti. Ok, parce que moi ce que je te proposais à la limite, c'est que Estevan il en fait une. Ouais. Lou il en fait une, moi j'en fais deux. Ouais. Là on fait une et toi tu peux en faire du coup le feat avec AD plus une. Ouais, vas-y, bah je vais en faire une plus le feat avec AD. Bah c'est nickel, on fait comme ça. Vas-y, c'est nickel, bah je te laisse gérer les bails. Si tu veux venir au Skitokaz, viens, comme ça tu vois un peu où tu veux placer les artistes, où tu veux placer la scène et tout. On arrive. Bah on passe et vas-y, on en discute. Vas-y, les gars, on y va les gars, vas-y. Je vais mettre le son avec Mensa et je vais mettre le feat que j'ai fait avec Pata. C'est un truc qui est jamais sorti et peut-être qu'il sortira jamais, je sais pas. Parce qu'en fait, Pata, il doit finir. En fait, genre, c'était un couplet moi, un couplet lui, un couplet moi, un couplet lui. Moi, j'ai fait mes deux couplets et lui, en fait, son dernier couplet, il arrive pas à le faire parce que le son. Les gars, je vous jure, ce son-là, ça fait 3 mois on l'a fait. On l'a trop écouté.
Ça veut dire, lui, il m'a dit, je suis lassé de ce son, genre le son il m'a grave lassé. Ouais, yo, Wagwan. Ça va quoi, Skit? Ça va et toi, Renan? Salut, quoi, tranquille, Wagwan? Ça va, ça va. Alors, du coup, ouais. Moi j'ai pensé, je te dis en 2-2. Mm-hmm. Soit on arrive à trouver quelqu'un qui peut nous faire en 2-2 une scène ici, là. Mm-hmm. Tu vois, un petit truc surélevé, ouais, on est là. En vif, ouais. T'as le public là, tu vois. Mm-hmm. Soit on se met sur le toit au-dessus là où il y a le Riata. Ouais. Tu vois, on peut faire comme ça, comme et ça. Puis on met des barrières. On met quelques barrières ici. Ouais. Et on se met au-dessus. Soit on peut se mettre au-dessus là, ici encore là. Mais le problème, c'est que ce qui est moche, c'est que il n'y a pas encore le logo du Skitokaz ici là. Il y a un vieux logo merdique. Ok, donc pour les photos, ce sera pas fou ce logo là. C'est pas mieux ça. En dessous là, genre en mode en dessous de le. Non. En fait, ça aurait été bien s'il y avait le logo du Skitokaz, c'est ça qui fait chier. Ouais. S'il y avait le logo du Skitokaz, ce serait de la frappe, mais là. Non, je pense qu'on va s'en tenir à ce que t'as dit. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour la scène, et si je trouve pas, on va juste te mettre sur le toit et on va mettre des barrières. Sinon, ouais, tu te mets sur le toit, tu te fais un tag Skitokaz. Skit, je te présente Winslow. Winslow, c'est un mec du Weasel, il va accompagner un peu pour l'événement, comme ça on va faire des photos, tout ça. Enchanté, Renan. Voilà, comme ça c'est nickel. C'est carré, ben du coup, là je te dis, on a mis le paquet, frère, 35 000 $ pour le. Pour le showcase, donc après tu redistribues à tes artistes comme tu veux. Ça va calme, tranquille. De toute façon, moi et AD, en théorie, il n'y a pas besoin, tu vois. Mais après, si tu veux nous donner une petite part, genre 1000, 2000, on s'en bat les couilles, tu vois, histoire 2. De notre côté, là, en gros, c'est l'inauguration des nouveaux locaux du Skitokaz. Que je sais pas si t'étais déjà venu ici, mais c'était pas comme ça avant. On a fait des travaux, sa mère. Ok, donc, j'étais jamais venu. Ouais, ben voilà, ben les locaux avant c'était vraiment moche. Du coup là on a fait vraiment des travaux, tout ça. On a agrandi les locaux pour que ce soit carré, que ça donne envie de venir ici. Pour le topo, si tu veux mettre un présentateur et tout. Bah c'est lui, ça va être le mec du Weasel. Ok, ben en gros tu lui diras que ici c'est une concession d'occasion. On achète et on vend des voitures, c'est à dire que toi, je sais pas, ta voiture, tu la veux plus, tu viens ici, on te l'estime, tu vois. Bah t'es quoi, attends carrément. Et normalement, je dis bien normalement. Winslow, viens Winslow. On va faire une loterie, il y aura une voiture à gagner aussi. Okay, ouais, dis-moi, BK. Écoute ce qu'il a dit le frérot là. Donc je disais, pour le topo, si tu fais le présentateur, moi je suis le patron d'ici, donc tu peux me faire venir sur scène un petit en mode bigu, ouais. Donc Skittle, c'est le patron du Skitokaz. Donc en gros, ici le topo, c'est que tu peux venir vendre et acheter ta voiture d'occasion. Donc ça veut dire, toi, je sais pas, t'as une voiture, tu l'utilises plus, tu viens ici, tu peux la vendre. Et tu peux acheter des véhicules ici aussi. En théorie, donc c'est ouvert tous les jours, tu peux bien le préciser et tout, c'est ouvert tous les jours, l'entreprise elle est à Englewood, elle est là, il n'y a pas d'autres locaux, il n'y a pas d'autres machins. Tu peux préciser aussi, normalement, au pire ça je l'annoncerai si tu veux, mais normalement il y aura une loterie, là, pour gagner un véhicule ce soir. T'as capté? Okay. Ça veut dire en gros, là les gens ils payent, je sais pas, 5 000, et ils peuvent repartir avec un véhicule à 30-40 000, tu vois. En théorie. Okay, ouais. Carré. Donc voilà, là. Note, Winslow, note. Mais après, moi, vu que c'est un peu toi qui host l'événement, ouais. je vais te faire monter sur scène un peu en mode big up, c'est grâce à lui tout ça, tu vois. Ouais. Et si tu veux, soit moi je parle de l'entreprise, soit toi je te file le micro. Bah ouais, si tu veux, au pire je peux en parler, comme ça c'est plus simple, je sais de quoi je parle au moins. Ouais, vas-y, on fera ça. Puis au moins tu sais ce que tu veux dire et tout, tu vois. Ouais, vas-y, bah on fera ça. Et je compte sur toi pour mettre l'ambiance à sa mère et tout. Que les gens, tu vois, ils ont envie de revenir ici, parce que le principal ici, c'est qu'en vrai, hormis le fait que ce soit une entreprise et qu'on vend des trucs, ici là, c'est vraiment un point de rencontre. T'as vu, tout le monde, tous les gens d'Inglewood, ils traînent ici quasiment. Il y a tout le temps du monde, les gens, ils passent leur soirée ici, tu vois. Donc le but, c'est de montrer que c'est un endroit de sociabilité, tu vois. Non, c'est un point de rencontre, tout ça. Un point de rencontre, voilà, exactement. Donc vas-y, c'est carré, bah essaye de trouver quelqu'un pour la scène, ce serait gang. Je vais essayer de trouver quelqu'un pour la scène, vas-y. Et moi je vous tiens au courant là pour la loterie et pour le virement, je vous ai dit là, je suis en train de finir les papiers avec le Gouv, c'est eux qui vont payer l'événement. C'est incroyable. Vas-y, carré. Toi c'est toi qui vas faire un son là? Ouais, moi c'est Stéphane moi. Et Stéphane? Moi je fais un son, il y a lui aussi qui fait un son, c'est ouais, Blue. Ouais, je connais Blue. Ok, c'est carré. Il y aura aussi du coup BK, tu connais. Hein. Il y aura BK et il y aura moi. BK et il en fait deux en je crois. Ouais, incroyable. Bah vas-y, c'est carré les gars, ben vas-y, hein, allez, je vous échauffez la voix, faites vos bails, ouais, faites vos réglages et tout, et ça va être carré. Hein. T'inquiète, hein, vas-y, c'est bon. Hein. Ça va être carré les gars. Yo, allez, bonsoir madame, carré. Vous allez bien? C'est eux là, ça va et vous? Ouais, tranquille, vous avez besoin d'un renseignement? On m'a envoyé la position, on m'a dit de venir, c'est BK qui m'a envoyé. BK, bah il est là.
Il est là. Ouais, il est là-bas, il est au téléphone. Ah, mais c'est William. Ah, merde. Ça va, William? Bah oui, du coup. Ça va et toi? Mec. Yo, Wagwan, tranquille? Et toi? Ouais, c'est qui? C'est Anoki. Ah ouais, dis-moi. Pour une entreprise, pour investir, si tu veux investir avec moi. Tu veux faire quoi? Oh, tu vois, il y a plein de gens, ils vendent des photos de leurs pieds et tout. Et genre, en gros, je deviens manager OnlyFans. Genre, je leur crée des OnlyFans et tout, avec des abonnements et tout. La putain de ta mère à toi. Hey yo, je pense, non, je pense qu'il faut que tu continues à faire des apagnons, toi. Je pense que tu continues à faire des apagnons. Regarde, hey, on fait genre des packs de photos de pieds, genre 6 photos de pieds, 10 000 $, et on prend un programme bénéfice de chiffre. Ben. Je t'en vois pas, moi j'ai pas envie d'investir dans des trucs de pieds, hein. Et genre, il y a des pieds, les gens ils vendent leur cul s'ils veulent, enfin voilà quoi. Ah ouais, bah vas-y, hein, essaye et tu me dis, hein, si ça marche bien. Hein. Je vais à la mairie pour un rendez-vous. Bah vas-y, ça marche. Bah vas-y, mec. Tu penses que c'est une bonne idée? Ben, je sais pas, à tout moment ça peut marcher, hein. On sait jamais. Ouais, bah évidemment, ça va marcher. Vas-y, bah on se tient au jus alors, mec. Vas-y, big up, hein. Vas-y. Bleu? Ah non. Putain, en fait, le rouge qu'il a mis, il est super beau. Ouais, non, répète. Attention, je vais juste garer ma voiture à côté, comme ça derrière la scène t'auras des voitures stylées. Il devait mettre un peu de coca. La scène, elle... C'est sponsorisé, c'est ou pas? Non, c'est pas sponsor. Non, c'est pas sponsor. Dommage. Mais on les verra pas, les côtiers, je pense, avec la scène. Ah ouais? Bon, c'est pas grave, hein. On s'en fout. Hein. C'est pas important. Il faut faire vite, Loka. Ouais, vous inquiétez pas, en vrai, vous avez un peu plus de temps. Enfin, je sais pas si c'est BK qui vous a pressé ou si c'est vous avez un truc à faire, mais... Est-ce que vous voulez voir Atender? Vous voulez voir de la bah, drogue? Tu vas mettre de la merde, ou... toi. Non, tout, que de la merde. C'est de la fausse drogue, hein, c'est du synthétique. Non, tu veux que les flics ils nous tombent dessus ou quoi, yo? Non, mais c'est de la fausse. Ouais, mais ils s'en foutent. C'est du plastique. Ils s'en foutent que c'est de la fausse, c'est pas l'ambiance, c'est si, pas l'ambiance. C'est vrai, ça. Mais des trucs plus musicaux, quoi. T'as capté? Si. Une petite plaque de DJ, un truc comme ça. Y'aura de la poutre. Monsieur, vous pouvez rester là parce que je peux mettre que 10 objets. Et ça fait quoi? Ça veut dire que si je mets si 10 trucs. Fixe, après tu peux en remettre 10? Oui, oui. Ok. Bah je reste là de toute façon, je bouge pas. On sait toujours pas combien on va être payé, hein. Tu peux faire un truc pour moi? Je vais te mettre des baffles, ok? Et tu vas les mettre tout le long. Pour si. Cacher la scène. Okay. Ah, oui. C'est bon? Si. Mais tu parles à moi? Loka? Tu sais pas faire? Si, ah non, c'est moi qui les mets les baffes. Alors. Faut que tout me parle, hein, sinon c'est compliqué. Je l'annonce pour 23h30, c'est bon? 23h30, c'est carré, c'est parfait. Bon, je pense qu'on sera dans les temps larges. T'as des news AD ou pas? Ouais, là en fait, il est au Punscar, il est en train de racheter des véhicules. Là, il y a 15 véhicules qui vont rentrer ici, donc. Bien quoi? Bah, Mikey, le business, tu connais, hein. Ça s'arrête pas, jamais. Ah, ça s'arrête jamais, mais surtout que là, vu qu'on va faire gagner un véhicule, c'est pas mal. Ok. Bah carrément. Je sais pas si c'est possible, mais ça aurait été lourd de mettre le véhicule en haut. Ouais, tout le long. Ouais, on le mettra en haut, ouais. Ça peut être lourd comme ça, tu vois, véhicule à gagner, hop. Je peux même en mettre d'autres, hein, je peux en mettre plusieurs, hein. Je peux t'en mettre plusieurs, même. Tu peux mettre des véhicules bien stylés ou pas? En mode vivier. Au pire, je mets mon Dubsta en haut. Nickel, et la nickel, le Dubsta. Allez, c'est nickel, allez. Tu me régales. Bah, tu sais quoi, regardez, je vais les mettre sur le toit, le Dubsta et la Schlagen, là. Comme ça fera bien stylé. Let's go. J'ai un monte charge derrière, je vais les mettre dessus. En vrai, flemme d'aller au monte charge. Ah, mais heureusement qu'on n'a pas fait sur le toit, frère, en vrai. Hein. Parce que sur le toit, il y a un mur invisible. Sur le toit, il y a un mur invisible qui bug. Si c'est moi qu'on est en train de siffler, je vais le baiser. C'est qui siffle? Regarde. Ouais, j'arrête de siffler, frère. C'est une dinguerie de siffler les gens. Eh, mais vous êtes chaud, frère, vous avez fait ça en 3 minutes, là. Attends, oui, c'est pas fini encore. Non, ça tue déjà. T'y arrives pas, Choupette? Bah ouais, je suis à l'hôpital tout à l'heure déjà.
Et je boite. Non, mais il y a l'effet, mais il n'y a pas compris. Attends. Ça tue les véhicules en haut. Sur les baffes. Je vais réparer juste lui là parce que je sais pas pourquoi il est cassé. Ah ouais, d'ailleurs j'ai mis ça aussi derrière les gars. J'ai mis genre une porte où on peut se TP, tu vois. Tu peux te TP d'un côté et de l'autre, et j'ai mis le monte charge ici. Parce que le monte charge ici c'était chelou quoi. Il fallait le dire plus vite. Avance les plus, je peux pas. Je peux pas frère les avancer. Je peux pas du tout les avancer là. Il est incroyable. Oh. Ça va quoi, Green? Ouais, allo, c'est qui? C'est Anoki, ça? Anoki, pourquoi? Ok, vas-y, j'enregistre ton nom. Non, parce que je savais pas c'était qui. Vas-y. Non, c'est bon, je suis un génie. Alors. Et ensuite, comment on fait pour que ça reste? Yo, Wagon. Yeah, ça va quoi, mana? Tranquille, il s'entend? Yeah, chill, man, tu connais, voilà. On vient voir. T'as pu t'acheter un pull avec le bénéf. Je l'ai arraché, je l'ai arraché. Il y a Showcase là, à 23h30. Sérieux? Ouais, Showcase pour l'inauguration des nouveaux locaux. Il y aura une voiture à gagner, donc... C'est de l'eau. Il y a moyen de vous mettre bien. Vous avez besoin d'un truc? C'est de l'eau. Non, tranquille. Sarah, pourquoi par ici, man? T'as dit quoi? Attends, Sarah, pourquoi une galou? Ouais, ça rappe, hein. Ça rappe, là, on a ramené le North Inglewood Record, donc meilleur label de Inglewood. Donc si t'as des rappeurs, d'ailleurs, tu verras avec le gars, là. Ouais. Là, je vais peut-être signer, moi. Mais je suis hésitant, hein, je te mens pas. C'est carré, ben, je te dis, après, je te mens pas, en ce moment, la musique, c'est chaud, il y a pas beaucoup de moyens. Mais je peux te dire qu'en termes de label, t'auras pas mieux que North Inglewood Record, hein. Et je te mens pas que les... Je te mens pas que les gens qui signent en dehors de Inglewood, ils sont mal vus aussi, hein, au quartier, hein. Je captais moi non. C'est pas que de la musique hein, c'est de la cred et c'est surtout du biz que t'as derrière. Tu connais hein. Moi je suis beaucoup dans la provoque poto. Je vois, bah fais comme tu veux Renan. Là juste j'ai des trucs à gérer. Si t'as besoin ce soir je peux te refiler la même chose que je t'ai filé la dernière fois. Si jamais. Vas-y gros, on va voir, de toute façon, pas de soucis. On en discute tout à l'heure. On est venu voir. Vas-y. Vas-y c'est bon. Vas-y à tout à l'heure. Love. Ça va ou quoi, Renan? Ça va ou quoi, c'est vraiment, mec? Je suis un peu dans le rush là, il y a plein de clients et il y a un showcase à 23h30 donc c'est chaud là. Ouais, y'a pas de carré, y'a pas de problème, mec, y'a tout dans le coffre. Vas-y, je te prends ça. Fais-moi penser là, je vais les garder ici. Fais-moi penser, je te donne l'argent après, c'est bon? Vas-y, c'est carré, mec, avoir pas de galère. Vas-y, tu m'envoies un message et tout. Vas-y, carré, mec. Vas-y, à tout à l'heure, Renan. Plus, mec. Alors attends, putain, regardez le... Ça me fait plaisir, regardez le nombre de gens qui est au Skitokaz, wesh. C'est une folie, les gars, c'est un endroit de civil de fou. Alors, crée un message privé si fini, titre du message concert. Concert au Skitokaz. Ouais, faut qu'il soit un sur l'autre. Attends, ce soir, à 23h30, aura lieu... Là, tu mets... Comme moi j'ai mis là quoi. Un concert au Skitokaz à l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux. J'ai pas Twitter. Bon, en même temps dans le 2 y'en a pas beaucoup, ils sont pas mal hein. Musique. Véhicule. Elle est à combien? Alors attends, je vais dans la compta, je te dis direct. Ah. Ouais, putain, j'ai acheté une Sherman hier, au final, il y en a une qui est encore mieux. Ah, c'est toi qui as acheté la Sherman? Ouais, je l'ai juste copain au marron. Après, c'est pas mieux que la Sherman parce que c'est deux places déjà. Par contre, ça bombarde bien, ouais. Y a moyen de l'essayer en vitesse? Ouais, pas de soucis. 53 000, elle est. Oh la blague! Non, quoi il me fallait une 4 places, donc en vrai. Après non, ça, ouais, Charman, c'est un autre. Vas-y, les gars, garez tout derrière trigger, là. En vrai. Donc en vrai, ouais. Je veux bien l'essayer si c'est possible. Vas-y, t'as un permis de conduire ou pas? Ouais, tiens, je le garde juste en. Faut juste que je le garde en caution. Ouais, logique. Et je te file les clés. Et tu peux aller. Tiens, mon permis de conduire. Ok, tiens, les clés, tu peux aller essayer, elle est déjà ouverte. Vas-y, bienvenue, merci. Vas-y, Renan. Yo, à Pagnan.
Je t'ai appelé comme ça dans mon bigot, hein, je le jure. C'est trop grave. J'arrive. Adé ? Ouais. Pour le showcase là, je vais demander aux flics si les gens ils peuvent se garer sur les rails du tram en face là. C'est qui eux ? C'est des Grape ? C'est des habitants Grape et à côté c'est tu sais la marche, t'avais parlé là vite fait. C'est des gars. Ouais, okay. Voilà. Vous faites un truc là ou pas ? Là ouais, skit, non. C'est pas les bonnes clés que tu m'as donné. C'est pas les bonnes clés à récupérer. Attends, redonne-moi. Il me faudrait bah E3 là, si t'es chaud, si vous êtes chaud les gars après. Pendant le showcase, ouais. J'ai besoin de sécurité et de mecs qui indiquent aux gens. Skitokaz. Vous êtes dispo, on vous filera un billet. Merde, il y avait pas ça. Mais attends, Skittles, il y a encore des véhicules à récupérer. Bah, quoi je sais, je sais. Incroyable les travaux. Ils en sont où Bah là, je vais assister au concert du Skitokaz. Je sais pas. J'arrive, Alcène. Qui est Skittles là? C'est moi, j'arrive. Tiens, je te donne les clés. Ah, je pense que je me suis emmêlé les. Bah pourtant, non, c'était les bonnes, frère. Je sais pas, moi, elle voulait pas démarrer, regarde. Bonsoir, Ahmed, je suis en pyjama. Ah, mais c'est pas elle. Ah, mais la grise. Ah, mais j'ai cru que tu me parlais de elle, là. Non, la sentinelle, je m'en fie. Non, je te parlais, genre, vraiment, genre, type Sherman, là. C'est pas le même prix, ça, c'est 120 000. Ouais, c'est pas grave, je vais quand même l'essayer, je suis curieux. Vas-y, alors attends, du coup, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je te donne les mauvaises clés. Tiens, mec. Ça, c'est la Chaser, elle s'appelle. Chaser, ok. Ouais. Voilà, vas-y. Et c'est une 4 places, là, on est d'accord. Ça, par contre, c'est une 4 places, ouais. C'est vraiment type Sherman, mais ça va un peu plus vite, je pense. Putain, si j'aurais su, j'ai le délire. Ouais, mais en fait, elle a changé de prix, parce qu'avant, celle-là, elle était à 40 000 au concess, et elle a changé de prix, là. Ouais. Du coup, on a fait une sacrée affaire. Genre, ouais, mais genre, l'autre, dans tous les cas, genre, là, celle-là, tu m'as dit combien? 120? 140? 120, ouais. Ouais, 120, j'aurais mis 5 000 en plus, j'aurais eu une qui va un peu plus vite que la Sherman. Ouais. Bon, après, tu peux refaire revenir la Sherman, hein, si tu veux échanger, mais bon... Ça nous arrange pas trop, ouais, justement pas. Mais bon. Je vais essayer, je verrai bien. Vas-y, mec. Alors, ils sont où les flics? Yo, attends, venez, on va aller dans le bureau parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a des véhicules sur le toit, carrément. Ouais, on a un monte-charge derrière. On les a mis là pour que ce soit stylé pour le showcase. Yo, juste, j'ai une petite demande. Là, en fait, il y a un showcase à 23h30 ici. Et le problème, c'est qu'on a pas de parking pour les visiteurs. En fait, et du coup, ouais. Vu qu'on met des véhicules d'exposition, c'est-à-dire les véhicules. Tu veux une zone d'arrêt, barrière et tout? Ouais, si c'est possible, une petite zone d'arrêt, barrière. En fait, on voudrait, genre, les rails en face là, juste pour voir que les gens ils puissent se garer là-bas. Genre, juste des barrières qui indiquent que c'est un parking et qu'ils puissent se garer. Et bah, tu sais quoi, mon champion, t'auras même deux unités qui feront la protection. Allez, nickel. Bah, moi j'ai déjà des mecs pour la sécu, mais comme ça, les unités, c'est cool. Vas-y. Voilà, super. Parfait. Du coup, ça, c'est une voiture dans ma poche, ça. Pff, t'es fou, toi? Il y a un véhicule à gagner si jamais ce soir. Donc, ok, c'est bien. Voilà. C'est quoi comme voiture? On sait pas encore là, on va regarder le stock. Mais il y a des véhicules qui rentrent là ce soir, donc si tu cherches des nouvelles voitures là, il y a pas mal de trucs. Genre une Vigero 2 par exemple pour les gros bandeurs comme toi. Une Vigo. Ouais, je m'en doutais. Ok, mais ça fait 6 mois je l'ai. Voiture de bandeur. Du coup, ouais, regarde. Blue. Le parking, on aimerait que ce soit là où il y a l'ambulance, tu vois. Ouais. Voilà, donc genre juste mettre des barrières ouais, là. Ouais, se garde dans la longueur quoi. Ouais, dans la longueur et sur les rails quoi. Ah. Après, c'est dans 30 minutes quoi, je sais voilà. Pas ce que tu vas préparer. Oui, vas-y, oui, mon champion. À 22h30 ouais. 23h30. Bah, en vrai, si tu peux m'envoyer des unités qui me font déjà le parking, ce serait nickel. Bah, ils feront pas de parking, ils vont juste mettre des barrières autour de la route et des zones d'arrêt comme ça, vous êtes emmerdés par les. C'est quoi, attends, je vais déjà mettre les barrières qu'ils comprennent et après ils feront les zones d'arrêt et tout. Voilà. Vas-y, bah, nickel mec. Vas-y, mon champion. À toutes. Alors ça, ouais, non, Sherman 20 fois mieux, hein, ça la pue la pisse. Hein. Ah ouais. Elle glisse à mort, elle a une meilleure accélération que la Sherman. Elle glisse de fou, ouais. Ouais, elle glisse de ouf, elle a une meilleure accélération que la Sherman, mais elle va à la même vitesse. Ok, ah bah ça est. Genre pas. Sherman, je monte 185-190, c'est là, elle pareil. Ok, bon bah ça marche. Donc bah, elles sont kiff-kiff niveau prix, donc kiff-kiff niveau perf, ça me va. Ouais, c'est ça. J'ai regardé, t'inquiète, je vais mourir. Ben vas-y, ok mec, ben de toute façon le showcase il commence à 23h30, c'est nickel. Ah, bah, 23h30 en fait. Vas-y, tu peux venir s'il te plaît pour la... Trigger. C'est qui? Bah dis-moi. T'as vu ou quoi, Rafaela? C'est, ouais, je savais pas qui me parlait, c'est pour ça. Je... Non, t'inquiète, t'as carré. Alors, combien la Hellfire en fait? Tu cherches la Hellfire, attends, je te dis. Ouais, dis-moi. Les gars, c'est l'entreprise en full time. Elle est à 58 000 la Hellfire actuellement. Okay. Elle est full perf. Ou pas ouais, il me faut juste ton permis de conduire en caution. Ouais. Et c'est carré. Vas-y, carré, t'inquiète. Hop. Je te donne ça tout de suite. Je te file permis les clés. De conduire. Hop. Elle est full perf et pas très utilisée. Enfin, genre, c'est. Voilà. Elle est assez. Elle est récente, elle a peu de kilométrage. Ouais, peu de kilométrage, voilà, c'est ça.
Voilà, je te laisse tester. Vas-y, à tout de suite. Si je suis pas là, je suis dans le coin, hein, t'inquiète. T'inquiète. Putain, les gars, c'est l'entreprise of all time, hein, je le jure. Hein. Les gars, je vous jure, ce qu'on fait, c'est trop violent. Je suis trop heureux. Hein. Je sais pas, vous en pensez quoi, mais moi j'aime trop, frère. Les gars, le nombre de personnes qu'il y a ici, c'est trop une dinguerie. Têtes de neuil. Vous êtes vraiment des têtes de neuil dans le chat, hein. Vous savez que je m'en rends compte de jour en jour. Hein. C'est trop une folie. C'est trop une folie d'être des têtes de neuil à ce point-là. Ah, Floki, tu m'as appelé? Il est bleu. Désolé, les mecs, je suis dans le rush sa mère. Il y a 12 000 clients. C'est chaud là. Mais vas-y, on fait court. T'as combien? Vas-y, j'ai 25 452. Seulement? Ouais, j'ai eu 2-3 galères, je te montre. Avec les cops. Ils sont chauds en ce moment de ouf. Ok. Putain, ça veut dire que je t'ai eu. Ça fait pas beaucoup. Vas-y, je te prends. Putain, j'allais te prendre 23 000. Hein. J'allais te prendre 23 000. Là, ça te fait pas beaucoup de bénéfices, non. Écoute, je te propose un truc. Je te file 20. Tu me files 23 000 et je te. Là, juste après le. Quand même, juste avant le showcase, si tu veux, là, je vais te chercher la même chose. Vas-y, faut. Et je te refais un chrome. Vas-y, je t'envoie. Là je te mens pas, tu vas pas faire beaucoup de bénéf du coup, mais de base t'étais censé en faire beaucoup plus, hein. Et no cap, c'est moi, c'est ma bad. Je fais le con. Ça arrive, c'est pas grave. Vas-y, bah je te ramène ça. Reste dans le coin là, je te ramène ça dans deux minutes. Vas-y. Yeah, carrément, Skittle. Ouais, Renan. Yeah, c'est comment toi t'es branché, arme blanche, tout ça? Arme blanche, ouais, hein. J'ai des bails, t'as besoin là? T'as quoi? Tout, hein. Tout ce qui est possible et imaginable, hein. Couteau, batte. Des crans d'arrêt. Crans d'arrêt aussi, ouais. On a tout ce qu'il faut. Les fait partir à combien? Faut que je regarde ça. Je regarde ça parce que là, de mémoire, c'est assez cher. Carrément, je t'envoie un message et tu me dis ouais, tes tarots, c'est bon. C'est bon, je gère ça après le showcase parce que là, t'as vu, j'ai plein de trucs vas-y, en même temps. C'est bon, tranquille. Et voilà. Vas-y, mec, on se pète. Yo! Yo Renaud, tranquille. Yo, c'est toi Skittles ou pas? Ouais, c'est moi, mec. T'as ouais, tiens. Je viens de la part d'AD. Ouais. J'ai posé une voiture derrière et je dois te donner la clé. Vas-y, envoie-moi ça. Tu bosses avec les mecs qui étaient avec eux là? Qui étaient avec AD? Bah j'ai deux potes à moi, après les deux autres je les connais pas. Skate-O-Kaz. Ok, ça marche. Là, si tu veux te faire un billet, on a besoin de sécu et on a besoin de gens qui indiquent aux gens où se garer temps. Là. Parce que le parking, c'est ici. Donc, si t'as besoin d'oseille, vas-y. Ça peut être l'occasion. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Donc, en gros, là, le parking, c'est ici. Faut que les gens ils se garent entre les barrières là. Ok. Voilà. Vas-y, Simer, pour la clé, je regarde ça. Vas-y. Ah, je sais qui c'est. C'est lui le fou. Skate. Ah, okay, ouais. Tiens. Alors. Ouais, pas mal. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, pas mal, mais je vais pas te mentir, pour l'instant, j'ai pas les fonds. Ok, t'as pas les fonds? Vas-y, tranquille. Ouais, la prochaine fois. Si elle est encore là, si elle est encore là, ouais, là, il y a plein de véhicules qui rentrent là aujourd'hui, des véhicules un peu moins chers. Donc, si tu cherches un peu moins cher, après le showcase, tu fais le tour. Ouais, je passerai, t'inquiète. Vas-y, ça marche. Vas-y, bah on se pète alors. Mon permis? Ah merde! Excuse-moi, frère, je fais des trucs en même temps là. Ouais, je sais, t'inquiète. Vas-y, mec, à plus, à tout à l'heure. Pour showcase, mais plus maintenant. Je vais commencer à placer les...
Excusez-moi les Renois, c'est à qui là, Jester là, de l'autre côté là, à côté du Grizzly Rouge? C'est une pote. C'est à Thaïs. Tu peux lui dire, tu peux l'appeler ouais, ou pas? Ouais, on va lui dire de la virer. Dites-lui de la bouger parce qu'en fait c'est les véhicules à vendre qui sont là. Sauf si elle veut la vendre, ça me dérange pas hein. Ça par contre elle est sale cette voiture hein. Elle est sale de ouf hein. J'ai juré elle est incroyable. Ça va se vendre ça, c'est sûr. Ok, nickel man, je compte sur toi gros. Voilà, une ma mère. BK, il faut que tu me gères le côté musique, hein. Parce que t'inquiète. Là, je suis partout en même temps, hein, y a trop de gens là. T'inquiète. Dis-moi juste, c'est quoi le nom du son que tu vas faire avec AD? C'est le son que je t'ai envoyé là, Blunt. Ouais, non, juste le nom du son pour qu'il te présente. Ben, Blunt. T'appelles Blunt, ça s'appelle. Vas-y, Blunt. Carré. Et le deuxième, celui que tu fais tout seul, man. Celui que je fais tout seul, bah en fait, il est pas vraiment tout seul, c'est juste qu'il est en feat avec Mensa, mais Mensa il est mort. Ouais, c'est, il s'appelle juste comment le son? Il s'appelle PDM. Ok, donc Peine PDM et Blunt. Blunt, c'est en feat avec qui? Avec AD. Ok. Et t'annonceras le Blunt aussi jeudi prochain, gros. T'annonceras le Blunt à la fin. Tu veux pas le faire, toi? Eh, mais toi, tu veux pas être la face publique du. Le patron? Non, tu... non, ça, je fais de l'anxiété sociale. Ce qui... Vas-y, toi, tu me fais chier avec ton anxiété. De devoir donner son numéro avec un couteau. Eh, les décorateurs, vous avez pas besoin que je fixe vos trucs? C'est bon? Pas besoin? C'est pas une question d'être jaloux ou autre, je te dis juste qu'il a fait. Quoi? Mais t'es con, quoi? Oui. Mais toi, je suis pas étonné au cas de ce genre de personne. Mais je viens pas du Nord, vous êtes bête. Force à eux. Séminole. C'est de la merde ça, pourquoi il a acheté ça? Ouais, en vrai, quoique, je vois bien une orga m'acheter ça. Nickel. Si, en vrai, je vois bien une orga m'acheter ça. Oh les gars, par contre, le nombre de véhicules qu'il y a. Oui, j'ai voté le trop. Attention, je suis en créneau et j'ai pas le permis. Ça vous intéresse la vidéo, les gars? Non, moi j'étais plus sur la sentinelle là-bas au fond. La sentinelle, la petite grise là? Ouais. Alors attends, je te dis ça. Elle est à 53 000. Ah ouais, bah quand j'aurai le budget hein, un jour. Ah bah là je vous mens pas là, ici c'est les best-sellers, c'est-à-dire c'est vraiment les trucs qui valent le plus. Mais là on a pas mal de véhicules un peu moins chers là qui rentrent, donc juste après le showcase vous verrez, il y aura un peu des nouveaux véhicules. Voilà. Ouais, plus il y a dans les 20 000. Ouais, dans les 20 000 on va avoir des beaux trucs là. Il a qui le quad? Bah sympa alors. Le quad, je sais pas, ah c'est à Franklin. Attends mais je leur dis de se garer, t'inquiète, je suis en train de ranger les nouveaux véhicules. Tu peux accrocher la truc à mon truc comme ça, je le bouge vite fait, je garde le graisse. Attends là, mais il est là Franklin. Franklin! Ouais. Bouge ton quad s'il te plaît mon frère. Ouais. Mets-le là à côté de l'ambulance, c'est le parking. Eh, je peux t'acheter un véhicule maintenant ou t'es occupé? Ouais. Terrible mélange. Attends, t'inquiète, je fais juste. Non. Livraison. Vas-y, garde derrière. Et tu peux déjà la garer là la Manchester, regarde bien, ici là, à côté de celle-là. Voilà. Attends, regarde. Chino, tu la mets là mon pote. Ici là. Fais-moi un créneau digne de ce nom. J'ai tout rangé là, hein. La Vigero et tout. Ok, carré. Le Grandeur, on le range où frère? Il est tellement gros. Tiens, range-le là. Viens avec le Grandeur. Ouais, je laisse me donner les clés. Tu me le mets ici, mon pote. En marche arrière ou en marche arrière? Ouais, en marche arrière. Ok. Et le Moonbeam, mets-le à côté du Grandeur, s'il te plaît, mon gars. Vas-y. C'est carré ou pas la skit, c'est bon? Ouais, nickel là, Chino. Envoie-moi les clés. Tu l'as. Vas-y, il est blindé le skit au cas. Le skit au cas, il est blindé sans gros. Ah, c'est une blague, c'était le but. Il est blindé de gens et blindé de voitures. C'était le but, hein. Eh, j'ai juré AD, hein, mec. Tu te rends pas compte, hein, on est à l'entreprise à full time. Hein. Je te jure, frère. Là encore, il y a des gens qui sont un peu barrés parce que j'ai décalé à 23h30. Mais là, depuis tout à l'heure, frère, il y a au moins 30 personnes. Ça abuse. Genre, regarde toutes les motos de biker que j'ai achetées, frère. Ouais, c'est bien ça. À moi, filez tout à moi. AD ou moi, de toute façon, ça change rien. Les clés, on les a. Tiens. C'est une livraison. Viens la moto de biker ici mon gars, ici. On m'a pas entendu. Ouais. Renaud, viens, garde là ici à côté de la Manchester là. Surtout vous prenez votre place madame, sans vouloir
Voilà, et recule là un peu plus par rapport à la main de chaise. Skid, c'est pas maintenant que t'as besoin d'agent de sécu là. Ça. Si, c'est maintenant. Il faut qu'en gros. Brief tes gars là. Attends, fais voir, Skid. Vas-y, attends, mais. Quoi? Ah, mais il est là l'autre. J'ai besoin de clés là qui t'ont donné. Prends, parce que c'est moi en fait j'ai plein de clés à la con là. Et t'inquiète, de toute façon les clés on les refera toutes à la fin hein, s'il faut. En gros, il faut que vous indiquiez aux gens qu'il faut se garer là-bas là, à côté de l'ambulance. Donc le parking c'est sur les rails. Il n'y a aucun véhicule dans le skitocase ou à côté, tu vois. Et voilà. Et juste pas de mec qui fait les malins, qui crie partout. Tiens, des. Ouais. Elle est où la Greenwood? Les gars, les hauts de casse. Les hauts de casse, faut se garer dehors si possible, les gars. Ah, désolé. Ça va, je suis sur les rails, s'il vous plaît, les gars. Bouge pas, monte sur la moto derrière. Yo. Dépêche-toi, frère, il y a des flics de partout. Je m'en bats les couilles, Monte. Allez, jette ton téléphone par terre. Si tu veux un canard, fais le tour. Jette ton téléphone par terre là. C'est fou quoi de braquer au milieu dans mon entreprise au milieu de 30 personnes là. Vous avez pété les plombs. Jette ton téléphone par terre, je t'ai dit. Yo, j'ai pas mon téléphone. T'as une arme sur toi, tu l'as jeté par terre aussi là. J'ai pas d'arme, j'ai pas de téléphone. Le téléphone est dans le bureau du skitocase. T'es au courant que là je suis en train de faire un concert là et que t'es en train de me niquer là. Ça pas mon problème personnellement. Oh les outcasts, les outcasts. On va devoir discuter avant. Attends, pourquoi j'ai des. Après, tu feras ton concert si tu veux. Oh là là, je suis en full lag. Vas-y, go. Ça. C'est. Oh, l'abus. L'abus total, frère, wesh. Il m'a braqué au milieu de 40 personnes, mais il est fou. C'est bon, c'est moi. C'est qui... rapide, t'inquiète. J'ai pas compris, je crois les flics ils nous ont pas vus, hein. Je crois les flics ils nous ont pas vus. Putain, vous êtes fous, hein, la vie de ma mère. Vous avez de la chance que les flics ils vous ont pas vus, parce qu'il y avait des flics partout, là. Hein. On prend le risque. Les flics, c'est un problème, mais pour actuellement, c'est le dernier. En fait, le problème, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est que, en fait, ils ont vu sur mon stream que j'allais les trahir. Et du coup, je trouve la manière d'agir, elle a grave changé, quoi. C'est dommage. Parce qu'en fait, vous vous souvenez quand. Après, j'accuse pas de stream hack et tout, hein, m'en bats les couilles, hein. Y'a pas de stream hack, mais j'ai l'impression juste. Genre, vu qu'ils le savent HRP, tu vois, forcément, quand tu le sais HRP, ça t'influence un peu. C'est con, hein, mais. Tu vois, parce que en vrai, me tester là sur ce qu'ils ont dit hier là sur les tableaux, ils l'auraient jamais fait, frère. C'est trop illogique de faire ça. Après, c'est pas grave, hein, mais c'est juste que des mois de RP pour faire ça, j'ai pas trop capté quoi. Surtout que là, ça peut pas durer 5 minutes en fait. Ça peut pas durer 5 minutes là, ils viennent de me baiser un événement civil, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. En vrai, je pense pas qu'ils savaient. Enfin, si, peut-être qu'ils savaient en vrai. Ah, attends, ils savaient ou pas? Est-ce que j'ai envoyé à Roman. Il y a un concert et tout? Je me souviens que j'ai commencé à écrire le message, mais je sais pas si je l'ai envoyé. Ouais, par contre, commencez à vous calmer. Commencez à vous calmer dans le chat. Vous êtes fous, quoi. Je rappelle, les gars, hein, les trash et tout, vous êtes. T'as fait l'annonce? Ouais, après l'annonce. Moi perso je regarde jamais les annonces en RP, tu vois. Donc en vrai peut-être ils sont pas au courant. Mais je sais pas si j'ai envoyé un message en mode. En fait je me souviens d'avoir commencé à écrire un SMS et je sais pas si je l'ai fini. C'est en haut encore. Reste là avant. Viens on pose des. On parle un peu à Skittles avant. Vas-y. Comme ça y a pas madame. Je suis là. Et on n'est pas obligé de se censurer. J'avoue. Ah bah tu adores te censurer. Il venait de dire qu'il devait pas censurer Allô. Mail. Vu que t'es pas là. Juste en dessous, en gros. J'ai enlevé le report ou pas? Ah, c'est je vais enlever. Je lui ai fait jeter son arme, enfin son arme s'il en avait une. Téléphone, il l'a laissé au bureau de son entreprise. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Je t'ai envoyé un SMS ou pas? Je t'ai envoyé un SMS ou pas, Roman? Quand?
Là, là. Aujourd'hui. Non. Ah, ok. Non. Non, parce que j'ai commencé à t'écrire un SMS et en fait, je l'ai pas envoyé. Oui. Bon, on va direct dans le vif du sujet. Viens voir, oui. Vas-y. Allez. Skittles. Le business de tableau, félicitations. Je l'ai pas dit hier, je crois. Ah ouais, ouais. Ah non, c'était vraiment à la gueule. Félicitations. En tout cas, les Wolves très surpris d'apprendre qu'ils étaient sur les tableaux eux-mêmes. Mm-hmm. Mmh. Donc, je sais pas si c'est à but de cacher quelqu'un ou défendre quelqu'un ou nous dire réellement la vérité, mais je pense que là c'est le bon jour pour nous le dire, non? Ben, tu veux que je défende qui? J'en sais rien. Bah, pourquoi mentir alors dans ce cas-là, Slash? Ben, moi je t'ai pas menti, mec. Alors, peut-être que c'était un gars qui portait un cure wolf mais, et qui n'en était pas un, mais moi je te dis que j'ai trouvé un wolf sur place, à l'endroit, et c'est comme ça que j'ai récupéré le bail. D'accord, mais c'est. Ok, donc écoute, Skittles. Excuse-moi, Bélé. Skittles, tu sais que nous, on a eu le business des tableaux. Mm-hmm. Ok, on l'a géré. On l'a géré pendant combien de temps? 4 mois, 5 mois, peut-être, je sais plus exactement. Ouais. On sait comment ça marche. Ok. Ouais. La porte, il faut qu'elle s'ouvre. Enculé. Ouais, j'ai la clé. Tu l'as comment? Qui te l'a donné? Mais j'ai quebra le mec. Ok, viens voir. Tu sais quoi? Regarde, viens voir, Skittles. Vas-y, avance. T'as vu, là, on va faire un aller-retour. On va aller en haut, on va regarder en haut de la colline, on va redescendre. Si tu me dis la même version, je te tire dessus. Ouais, oui. Yo, déjà, attends, moi j'ai une question. Non, tu avances, Skittles. C'est Roman, attends, j'ai une question. Parce ouais, que, c'est Roman, ouais, c'est fait, Roman. On ouais. fait du bis depuis 50 piges, là, je suis en train de parler avec un mec, je sais même pas c'est qui. Hey, commence pas. Avance. Moi, je veux parler avec des mecs avec qui je sais c'est qui, t'as capté? Tout le monde est là, tout le monde qui est là, tu sais qui c'est. Non, lui, je sais pas qui c'est. Ok, sors ton téléphone, zoom et regarde qui est la personne entre la webcast. Faut faire des masques, je prends les masques. Il est masqué, frère. Demandez-lui de se démasquer, s'il te plaît. Prends pas de photos, hein. Bah, je suis pas con. Il zoome sur moi aussi, mais du coup, il est masqué. T'inquiète. T'as pas des jumelles? Non, mais je le vois, juste, il est masqué. Genre, je sais pas si. Mais par pitié, que quelqu'un lui demande de se démasquer. Demande-lui de se démasquer, je vais péter un câble. Dites-lui de se démasquer, Damon, s'il te plaît. Ok, c'est bon, il s'est démasqué. Alors, c'est qui? Hein? Je sais pas, c'est qui, frère? C'est pas, c'est qui? Omar des YBI, ça dit quelque chose? Omar, ouais, ça me dit un truc. Ouais, ça me dit un truc. Omar, Adam, ah ouais, je les connais, ouais. Ouais, tu les connais, ouais. Pourquoi tu les connais? Ils ont acheté un jubilé au Skittocase et après je sais qu'ils font des affaires, hein. Ouais, t'as pas un lien, enfin t'as pas quelque chose entre guillemets qui vous rassemble? Bah eux non. Et vous? Eux et toi plutôt? Non. Non? Rien de spécial. Ok. Tu as jamais fait de business avec eux? En vrai si, un peu, ils m'ont un peu vendu de la Keta. Ouais. Après moi c'est pas trop mon biz donc c'est voilà toi quoi. Ouais. Désolé Roman. Yo! Aïe! Oh, tu mais jamais vendu non, des tableaux fou. Tu leur as jamais vendu des tableaux? Yo! Tu leur as jamais vendu des tableaux? Je leur ai déjà vendu des tableaux, frère, mais. Pourquoi tu rien me le dis plus. Pas alors? Pourquoi tu me le dis pas? Mais frère, je leur ai vendu 30 tableaux dans ma vie! Et pourquoi tu me le dis pas quand je te demande parce si t'as fait du putain de bise avec c'est eux? C'est pas du bise de vendre 30 tableaux, c'est frère! C'est du bise! C'est légal de vendre des tableaux? Non, mais 30 tableaux! Et bah frère, alors c'est du bise! Ben je leur ai vendu 30 tableaux, grand max! Et bah voilà, bah c'est du business! Yo, what the fuck, c'est quoi cette dinguerie, wesh? T'en as vendu combien? 30? Ouais, environ, ouais. Y'a pas d'environ, pas dis-moi là. Bah, j'en dis-moi sais rien, combien. Frère. Tu crois que je note ou quoi, moi? Tu crois que je suis un. Oui, tu notes, Skittles. La vie parce de ma que mère, t'as noté pour nous. Si, t'as noté. La vie de ma mère, j'ai jamais noté pour vous. Un jour, je suis venu vous voir, je vous ai dit, ouais, je crois que je vous en ai donné 800 ou 900. Non, t'es un menteur. J'ai toujours en fait, été vois, aux Skittles, environs. Mais la tête de ouais, je note c'est pas. Ton bah, putain... prends, mais toi-même. Prends mon bigot, prends tout ce que tu veux, fouille tout ce que tu veux, je n'ai jamais rien noté. Laisse-moi discuter. Toi-même, tu m'en as voulu toutes les fois où nous, on n'avait pas bien noté. Bah tu ouais, étais le que... mec le plus assidu pour les armes je blanches. Je te jure que je n'ai jamais noté, hein. Que ce soit arme blanche, que ce soit. Mais. Tu vas te tuer. Mais je le jure, je mais tuer. Tu peux me dire tout ce que tu veux, je n'ai jamais rien noté de ma vie. Tu vois, c'est ça son problème avec Skittles. Il est mignon, hein, mais il sait jamais la fermer, hein. Non, vous, votre problème, c'est quoi? C'est que là, on parle c'est d'une histoire. Et en fait, au lieu de traiter avec les personnes que je connais depuis le début, tu mets un inconnu, je sais même pas c'est qui lui, je l'ai jamais vu de ma vie. Ok, laisse-moi parler, Skittles. Tu me prends pas au sérieux. Bon, c'est quoi, j'aime démasquer pour bien te faire comprendre que là, j'ai le problème. Le problème c'est que, justement, toi le problème c'est que tu prends pas au sérieux les gens. T'as vu, t'as fait du business pendant X temps avec eux, et je suis d'accord, vous avez une relation incroyable, ok? Mmh. Et c'est mérité parce que dans les deux côtés ça a bien travaillé l'un avec l'autre. Mais maintenant le problème c'est que toi, vu que t'as jamais
et t'es remis à ta place, et bah tu prends la confiance maintenant. Et maintenant tu crois que tu peux crier sur ma VP comme ça. J'ai pas crié, et de deux, je prends pas la confiance. Je suis juste là, on a un problème ensemble. Pourquoi je gère pas avec les personnes avec qui j'ai toujours géré? Tu m'écoutes ou pas, Skittles? Le mec là-haut là, il vient de confirmer que tu lui as vendu plus de 500 tableaux. Mais c'est quoi, bon ce big menteur? Donc j'ai fait quoi maintenant? Je fais la quoi? Ma mère, c'est un big menteur. Je te tue maintenant, Skittles. C'est un big menteur, yo. C'est un big menteur. Je le jure, okay, c'est un menteur. Et qui c'est qui a menti hier? Qui c'est qui a menti hier? Hein? C'est lui? J'ai ou c'est pas toi? Menti. J'ai pas menti hier, si, yo. T'as menti. Yo, t'as dit que c'était frère, les wolves. Les wolves n'ont pourquoi jamais eu vas-y, ces business. Bah explique-moi pourquoi je te dirais pas la vérité. Pourquoi je te dirais pas la vérité à vous? Pourquoi faire? Bah c'est bien ça le problème. J'ai un bis d'arme avec vous. Pourquoi je vous dirais pas la vérité? What the fuck, frère? C'est le problème. Bah ouais, bah vas-y, bah expliquez-moi alors la raison, pourquoi je vous mentirais à vous alors que vous avez un bis d'armes et que vous êtes les... Par exemple, là, en plus il y avait Osvaldo avant, donc quand il y avait Osvaldo, limite je vous mentais. Tu voulais le baiser, Osvaldo. Ouais, bah oui. Mais par exemple, s'il y avait encore Osvaldo, ça aurait du sens que je vous mente, en mode je me mets de son côté. Mais là, vous êtes les seuls avec qui je fais du bis d'armes, pourquoi je vous mentirais? Ah, tu étais au courant toi qu'il y avait quelqu'un d'autre qui vendait des armes en ville? Quand? Je te demande, est-ce que là tu es au courant là? Bah pas du tout non, sinon je serais bien au courant frère, je suis sur ce bise. Tu mens plus que tu respires, hein. C'est fou. Mais la tête de Wam, si c'est j'étais décevant, au... hein, c'est si décevant. J'étais au courant que quelqu'un vend des armes, je te l'aurais dit, que je suis bien, je suis... Et tu dois être le premier au courant si c'est le cas. Bouge pas parce qu'en fait, tu vois, on te pose des questions, on a les réponses plus haut. Après tous ces temps, tu vois, tous ces temps, tout ce qu'on a fait pour toi, tout est la confiance, tu vois. Toi, t'es arrivé, t'as claqué des doigts, t'as dit « Maman Romane, ne vend plus des choses au bout. » Maman Romane, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit « Oui, mon petit Skittles. » Oui, Skittles, tu sais quoi, t'as raison, une petite claque sur la tête, t'as raison, tu sais quoi, on va plus faire. Parce que nous, on a confiance en toi et que nous, on sait à toi. Bah, c'est pareil, hein. Ça va dans les deux sens, c'est hein. Pas pareil. Ben moi, ben tu non, m'aurais dit faire plus de bise avec un mec, je l'aurais fait. C'est juste, il n'y a pas eu sauf l'occasion. Que... Non, le mec en haut, il a tout intérêt à me mettre dans la merde parce qu'il me connaît pas. Il préfère que ce soit moi qui meure que lui. Je le connais à peine. Il te mais... Tu mens, tu viens de confirmer. Je lui ai vendu 30 tableaux, j'ai acheté. Il a confirmé 500 plus avec eux, que je m'en bats les couilles de. Surtout au début. Voilà. Beaucoup plus de 500, surtout au début. Pourquoi il mentirait? Mais pour me mettre dans la merde et pour se sauver lui. Quel intérêt? Non, parce qu'il sait, bah, sa tu vie vois n'est pas en jeu, tu vois. Voilà, ah, il le sait que sa vie il n'est pas en jeu. Sa vie n'est pas en jeu, vous êtes autour de lui avec des meurs. Il le sait, on lui a dit qu'il repartira comme il est venu et qu'il n'y a absolument rien avec lui. Quel intérêt de te mettre dans la merde? Ben j'en sais rien, mais moi dans ma tête c'est ça, hein. Il n'y a que cette solution, hein, parce que je l'aurais jamais vendu 500 tableaux. Hein. Bien compris. Que 30 tableaux. J'ai une question. Tu parlais avec qui chez les gars en haut là? C'est qui avec qui tu gérais? Bah en vrai je connais lui là, Omar. Sinon les autres je connais pas leur nom. Hein. Y a un mec de chez eux, il m'a appelé hier, je sais plus comment il s'appelle. Bien masqué vous. Mais c'est tout hein. Moi j'ai parlé avec lui ouais. J'ai parlé avec lui une fois pour la kétamine. Et sinon je crois qu'il y a une meuf chez eux aussi qui m'a déjà appelé pour la kétamine aussi. Ok. Et comment tu l'as récupéré du coup le business des tableaux? Parce que tu nous as dit une version mais Je vous ai dit avec les wolves. Ils étaient sur l'endroit, j'ai pété un mec avec un qui avait un cuir wolf, alors peut-être c'est pas un wolf hein, mais. Bon en vrai, on va pas dire autre chose. En fait, on va dire une autre version. Cette version là tu vois elle commence à énerver tu vois. Je vais te couper Rio vite fait. Le problème c'est quoi? C'est que au début, quand t'as zoomé avec ton téléphone, je le connais pas, c'est qui lui? Ensuite, ah ouais, c'est Omar des YBY. Ensuite, ouais, je lui ai vendu que 30 tableaux. Non, ensuite, j'ai pas fait de business avec lui, je lui ai vendu qu'un jubilé. Ensuite, ah si, je lui ai vendu 30 tableaux. Après, on a l'info que tu lui as vendu 500 tableaux. En fait, tu vois ton problème, et c'est comme ce qui s'est passé hier sur la montagne, c'est qu'en 5 minutes, il y a 15 versions, en creusant un peu plus. Tu vois, par exemple, regarde, je vais dire un truc. Moi, je t'ai dit une seule version, l'autre qui a dit une autre version, c'est lui. Je t'ai pas dit 15 versions. Si, à la base, t'as fait zéro bise avec lui, tu le connaissais pas. Laisse-moi finir, s'il te plaît. T'as vu, c'est dans une relation amicale, fraternelle, peu importe, c'est comme une relation amoureuse. Si ta meuf, dans la première question, quand tu lui dis un truc, elle te répond à côté de ce que tu sais, ça va te vénère. Et t'as vu, là, actuellement, je t'ai posé une question. Est-ce que t'as fait du bise avec? Tu m'as dit non. Alors que je sais que oui. Tu fais des tableaux avec. Je t'ai dit oui, non. Tu es complètement fou. Je t'ai dit oui, je t'ai dit je lui ai acheté de la kétamine.
Après, j'ai pas dit les tableaux parce que pour moi c'était pas important, c'était 30 tableaux. C'est pas important, c'est pas important. Ah, c'est de la merde, 30 tableaux. Enfin, entre pas, 30 combien, et plus de 500 quand même. Jamais avec tout, t'en as donné 30 jours. C'est toujours pas vrai. T'es le mec, tu vois ce qui te fait là où je sais que tu mens, et je le sais avec certitude, et que tu es le mec le plus influent de tout le Santos. Tu es la passerelle première pour les tableaux, et tu le sais, je t'invente pas, tu m'en as vendu des tonnes de tableaux. Donc toi Skittles, toi le mec qui connaît toutes les petites frappes de tout le Santos, t'as ramené au nouveau vendeur et racheteur de tableaux 30 tableaux. Fouille-moi, regarde. De quoi? Regarde mon sac. Mais je vais pas te fouiller. Fouille-moi, je te dis. Tu vois ça là? Tu vois les tableaux que j'ai? C'est ce que j'ai eu en 48 heures. Ok. Voilà, donc les tableaux, en ce moment, ça tourne pas du tout. Parce que comme je vous ai déjà dit à l'ancienne, les conteneurs là du port, ils sont surveillés sa grand-mère. Ça veut dire que je n'ai jamais de tableau. Les mecs de la Colina, ils veulent pas bosser avec moi. Et tous les tipeux là en ce moment, ils arrivent pas à avoir des disqueuses parce que le patron du Ponscar, il est jamais là. Et que ben moi, j'ai plus de business de disqueuses et tout, vu que je bosse plus avec vous. Et que enfin, attends, vu que vous êtes plus sur ce business. Donc en gros, les tableaux, j'en ai quasiment jamais. Okay. Genre, j'en ai très peu. Skittles ? Ouais. Tu sais comme nous, je pense, étant donné que les Outcast MC ont eu ce business à un moment donné. Tu sais à quel point d'une semaine à l'autre ça peut être fou la progression. Ouais, c'est vrai ça. Ou dans l'autre sens aussi. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que il y a deux semaines où là il peut vraiment avoir une différence de zinzin. Donc je suis désolé de te dire. En termes de quantité de tableau, tu veux dire? Oui. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé de te dire que cet argument-là il marche pas vraiment. Ben ces mecs-là ils sont pas là depuis très longtemps là. Omar et tout, moi je le connais depuis à peine un peu plus d'une semaine. Donc Pas deux semaines ils sont là. Ouais, bah en tout cas, demande-lui c'était quand, mais c'était c'est la seule fois où je leur ai vendu des tableaux, c'était il y a pas longtemps. Et encore une fois, hein, moi je vous redis cet argument, pourquoi vous mentir alors que vous êtes les seuls à me fournir en mehor, vous êtes les seuls à m'avoir fait confiance depuis le début. Écoute, moi Bélé et les autres, je pense qu'en fait on n'aura jamais nos réponses. Je pense que tu vois, on te faisait 100% confiance jusqu'à hier où... a commencé à nous dire en fait tout simplement que c'était les wolves qui avaient le business des tableaux. Donc on sait que c'est faux. Ben, c'est peut-être pas on est allé les voir hier. En tout cas, qu'est-ce qu'il fait avec la clé? Justement, peut-être qu'il y a des mecs qui leur font confiance et qui leur donnent la clé, tu vois. Moi, en tout cas, je l'ai récupéré à eux. Qui, au YBI du coup? Ou au Wolf? Au Wolf. Attends, mais comment t'as pu braquer quelqu'un face à face du coup, récupérer sa clé et pas regarder ce qu'il y a et non, mais son surtout, cuir, ça veut dire que tu savais où si, c'était si, du coup. Si, j'ai vu son cuir. Et du coup, alors c'était un Wolf. Tu savais, pas sûr. Tout à l'heure, tu as dit, je sais plus c'était quoi le cuir, non, et je suis pas sûr que c'était un Wolf. Je t'ai dit qu'il avait un cuir des Wolves, mais que je sais pas si c'était vraiment un Wolf parce qu'il peut y avoir des mecs qui ont des cuirs, mais t'as capté. En gros, j'ai vu un cuir de Wolf. Et je vous jure, vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez, ma version n'a jamais changé une seule seconde depuis que je vous parle. Je t'assure. Bah si, parce qu'en fait, au début, t'as dit c'est des gens, je veux pas dire qui c'est. Ensuite, on t'a dit, vas-y, dis-nous. T'as dit. Bah parce que j'aime pas être les Wolves. J'aime pas. Tu connais, j'aime pas parler. Tu sais très bien, ça a toujours été comme ça. Ça, tu peux pas me l'enlever depuis toujours, j'étais jamais parlé d'accord, de toute ma vie. Mais pas au point de mentir, en fait. Soit tu dis, écoutez, je vous dirai pas. Ne pas et dire, là, c'est okay. Mentir. Bah non. Bah si. Hier quand tu me dis je sais pas c'est qui sur le bis des tableaux et que tu me dis non je manque pas de respect. Hier quand tu me dis non je ne sais pas qui fait le business de tableau et qu'en fait après je te parle et tu me dis bah en fait si je savais c'est un mensonge parce que tu me le dis pas et ben moi non. C'est pareil tu vois. En fait tu vois la différence c'est qu'on l'a pas dit pour voir si t'allais dire la vérité. Ça t'est déjà arrivé, toi. Tu vois, tu faisais des choses, tu nous disais pas pour savoir si on te disait la vérité. Rappelle-toi une fois, c'est même, tu m'as même baisé moi parce que je suis arrivé et moi j'ai dit la vérité. Tu te rappelles de ça? Oui, mais c'était un truc à la con. Oui, mais c'est la même chose. Non, c'est pas. En fait, c'est même pas ça. C'est que Terrell disait pas la vérité et toi t'es arrivé, t'as dit la vérité. Et du coup, ça a cramé Terrell. Mais c'est juste qu'à cette époque-là, je trouvais ça normal parce qu'on se faisait pas archi confiance. Mais aujourd'hui, genre c'est comme je te disais en message hier, on va pas se répéter, mais yo, on en est encore à la phase du test là ensemble. On en est encore au moment où on se teste entre nous, genre. Non. On en est plus là, moi. Voilà, c'est pour ça que moi je suis déçu hein, de ce que. Du coup, Skittles, j'ai démarré pas. Terrell, lui, il a dit qu'il a vendu que 30 tableaux au YBA. Ok, c'est pas ce qu'il m'a dit. Bah oui, mais il dit qu'il ment en fait. Voilà, c'est tout. Allez, du coup, il ment alors. Voilà. Merci, et là, César vient de me dire les deux ou trois trucs que t'as filé, il m'a dit tout le contraire à côté. Bah oui, mais tu veux faire quoi? Il dit que non.
Il dit que moi je l'ai il la a solution, chopé... hein. Moi je l'ai, hein, dans tous les cas. Il a chopé un wolf au truc de tableau avec la clé sur lui. Il a braqué, il a pris la clé. Encore un mensonge de plus, Skittles, bien joué. Bah oui, mais il dit que c'est vrai. Tu veux faire comment? Je sais pas. Pourquoi, je sais rien. Pourquoi Skittles? Bah, juste. Je te dis ce qui s'est passé. Hein. Il y a aucune de tes versions qui va avec les réponses des autres. Nous, on n'invente rien. Juste, logique, on pose les... parce que j'étais tout seul sur l'action et que le mec en haut, là... Le mec en haut, il a ouais. quoi il, pourquoi il me couvrirait? Il te couvre pas, justement. Bah, tout ce que, bah, tout ce que voilà. t'as dit, c'est le contraire. Mais justement, il me couvre pas. Pourquoi? Pour s'en sortir lui et que moi, je me fasse tes buts. Parce qu'il en mais a je un t'ai de dit, non, lui, sa vie n'est pas en danger. Avant que t'arrives, on lui a dit, tu vas repartir. D'ailleurs, il est en train de repartir. En gros, si c'est eux qui bossent sur les tableaux et qu'ils ouais. savent, donc c'est certainement ils savent que j'ai la clé et que je suis sur le bise, tu crois qu'il a pris une me pull-up? Non, parce qu'il nous a dit. Il s'en bat oui. les couilles du business, il l'a lâché. Oui. Il en a rien à branler. Donc il va pas de pull-up. Madame Elthirel. Ah bah alors, ouais, on sait rien. Hein. Je dépose Omar, je récupère Rafa et okay. on va à une autre pause. Ouais, dès que vous revenez, on bouge. Ok, vas-y. Okay. En fait, moi, ce que. Je me fais harceler d'appel là, j'avais un showcase avant 23h30 là. Vas-y, bah, préviens le mec, dis que t'auras un peu de retard. De toute façon, ils ont vu, ils m'ont braqué au milieu de mon entreprise, au milieu de 40 personnes. Ouais, bah, on savait pas que t'avais un showcase. Moi, ce que j'essaie de comprendre, Skittles, c'est pourquoi toutes les versions que les gens nous donnent ne sont absolument pas celles que tu nous dis. Je pense que Terrell qu'on va le laisser bien. Laisser quoi? Je peux envoyer un SMS là, Renoir, pour dire que je vais pas venir au showcase. Regarde mon bigot. Ouais, tu dis que t'auras du retard. T'inquiète, t'as un peu de retard, j'ai juste t'arrives. Je dis... Attends, je vais pas dire à lui, je vais dire à AD. Et tout le monde allait chercher les motos. On va te lâcher Skittles, juste le mot de la fin. Skittles, je vais te prendre avec toi. Il y a eu trop de comment ça s'appelle d'histoires qui divaguent. Tant que ça sera pas réglé, Skittles, moi je vais te prendre avec toi. On bossera plus avec toi. On ne veut plus jamais entendre parler de toi. Tous nos business qu'on possédera. Tu n'y auras plus accès, Skittles, c'est terminé. Entre toi et nous, si tu tentes quoi que ce soit pour te venger de ton côté, je fasse quoi, etc. Non, je préfère te prévenir, Skittles. Au moins, je m'écarte sur table avec toi. Que ce soit nous, toi on ou Hoover, hein, Dash, je suis en train de marceler d'appel. Hein. Ouais, on ne tentera rien contre toi, Skittles. Je dis, ils vous ont vu. Ils ont oui, vu oui, tes non, gars mais, parce qu'ils m'ont braqué au milieu du Skittocase. Il y avait tout le monde. Il y avait Twinglewood et des flics aussi. Donc, je sais pas. Juste fais ta vie dans ton coin, Skittles. Oublie-nous. Nous on t'oublie de notre côté, on veut plus avoir affaire à toi et je pense que c'est clair. C'est bon pour toi? Bah vas-y hein. Vas-y, appelle quelqu'un pour venir un truc. Quel dommage qu'il te laisse, bref. Que des menteurs. On sait jamais hein. Oh, allô? Allô? Bah y'a moyen, tu viens me chercher s'il te plaît frère? Envoie adresse. Les Outcasts, ils m'ont lâché. Ouais, envoie adresse, t'inquiète. Envoie adresse. Mais ils sont plus là. Oui, je vais leur baiser leur mère. T'as vu, je les appelle, ils m'accrochent au nez. Ouais, bah ils ont dit, tente pas de te venger. Enfin bref, j'étais secret, vas-y. Ma bite, je vais prendre. Vas-y, envoie adresse, tu vas voir. Vas-y. Allo? Ça a commencé ou pas? Ouais, ça a commencé. J'arrive. Il y a Dash qui vient me chercher, je suis dans le nord donc le temps que je redescende. Tu vas bien? Ben ouais, hein. Tabassé vite fait, mais. Ben forcément, ce que j'ai dit hier, ils l'ont pris comme un mensonge et ils appuient sur ça. Et ils se matrixent le cerveau en fait. Ils disent que je dis 15 versions différentes alors que je dis tout le temps la même. Mais après, c'est vrai que c'est un peu cramé comme mensonge et je t'expliquerai, mais en gros, les mecs qui m'ont filé le bise là, bah y avait un mec qui était pris en otage et il a tout pouki quoi, donc bon, bref. Oh enfin, en fait il a pas tout pouki mais il a pouki des trucs qui m'ont fait mentir du coup. Quel con. Ouais bah vas-y, ça va, bah, on en reparle quand tu reviens. Vas-y c'est bon. En fait j'aurais jamais dû parler du bise de tableau, je suis con.
J'aurais jamais dû parler du business de tableau, c'est con. C'est pas grave après, hein. Au moins les hauts de cas, je les baisse pas du jour au lendemain en mode je vous trahis, je sors de n'importe où sans aucune raison. Là, tu vois, au moins là, je les trahis. Eux, ils savent dans quelle direction je vais aller. Moi, je sais dans quelle direction je vais aller. Tout le monde est au courant. Juste là, ça va être du face à face, hein. Ça va être du face à face, hein. Juste, je vous jure, il y a trop de manque de respect. Rien que le fait que ce soit des mecs qui sont arrivés il y a 2 semaines, qui me parlent. Rien que ça, tu vois, mon perso, ça passe pas, hein. Et là, tu fais du bis depuis 50 ans. Le mec qui te parle, c'est un gars, tu sais même pas son blaze. Il y a trop de... Mais après, en vrai, stylé, hein. Stylé. Après, j'avoue, le mensonge, j'y tiens pas la route, hein. Le mensonge, j'y tiens pas la route. J'aurais pas dû ouvrir ma gueule. C'est ma faute, en vrai, hein. Il me fait penser à l'étau. Je mets ma cam. Cache-toi, ils vont sûrement revenir. Quoi faire? Ouais. 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 Par rapport à ce qui s'est passé hier. Ouais. Je viens de me faire choper par les hautcasts et Omar, il était là. Oui, je sais. Je vais de le récupérer. Et ben, ils nous ont séparés. Moi, j'ai maintenu ma version. J'ai dit que c'était okay. Que j'avais pété les wolves sur le truc et que je leur avais pété les clés. Ils m'ont sorti une AK et tout. J'ai toujours gardé ma version. Je leur ai dit que vous m'aviez vendu un peu de kétamine. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, est-ce que vous avez déjà fait du bise avec et tout. Je dis, ouais, ils m'ont vendu un peu de kétamine et je leur ai vendu une 30aine de tableaux. Et le problème, c'est que Omar, bah, il a dit la vérité en fait. Il a dit que je vous avais vendu 700 tableaux. Je vais te chercher après, on parle pas au téléphone, je vais te chercher après. Vas-y, bah, j'ai un showcase de Skitoka, je suis là vers minuit. Bah, ouais, je passe après, t'inquiète pas. Vas-y, à tout à l'heure. T'arrêtes. C'était sûr, ils avaient menti, ça va. Après bon, s'ils ont menti, ils ont bien menti parce qu'ils ont dit plus de 500, mais c'est réel, plus de 500, c'est vraiment vrai. Donc en vrai, ça m'étonnerait qu'il ait pas pour qui. Hein. Serge, trop la haine là. Bah en vrai, c'est ce qui a tout niqué, c'est qu'il le savait HRP, ouais, c'est ça en vrai. Ce qui a tout niqué, c'est qu'il le savait HRP. Après, c'est des bons joueurs en face de nous, les gars. C'est des très bons joueurs en face de nous, ça veut dire que... Ça veut dire que je pense qu'il... Je pense que ça va pas influencer leur RP, mais c'est vrai que là ça donne l'impression. Tu te dis pourquoi ils testent encore, tu vois. Mais bon, on verra. Nous occuper pour du business, c'est toujours la priorité business. Oui, bah oui. Quelle bande de bitch, frère. Tu vas essayer ici tout seul. Ouais. Sans des bitch, hein. Par rapport à quoi? Ben déjà ils sont venus au Skitokaz, ils m'ont braqué au milieu de 40 personnes à 10 minutes du showcase. Donc déjà j'ai envie de les baiser leur mère. Quel manque de respect putain. Ça je vais gérer ça, t'inquiète pas, autour ça je vais gérer. Autour de flics et tout, déjà t'as vu le manque de respect comme ça là frère. Là le showcase... Quoi? Là le showcase... Frère t'imagines pas l'argent que ça amasse hein. Là on vient, là tu sais qu'on vient d'investir, on vient d'investir 300 000 $ juste pour le showcase. Genre de... On a acheté plein de véhicules pour... Bah je vais lui en parler, t'inquiète pas. Et bref, ça, par rapport au label. Déjà il y a ça. De deux. Business, je te parle moi, c'est quoi le problème? Business, ben en fait hier tu vois j'étais sur un rendez-vous. D'ailleurs, en vrai bénef du coup, mais avant qu'ils me fassent la gueule ils m'ont vendu un pont. Canoncier là que tu m'avais dit? Ouais ouais, voilà, du coup j'en ai un, donc en vrai bénef. Tu as touché à combien? J'ai enfin, ils le font combien eux? 117 000 avec une boîte. Ils font à tout le monde ou c'est toi après d'amis? Je sais pas hein, moi en tout cas ils m'ont dit qu'ils vendaient pas souvent ce genre de trucs. Ah ça va, t'as fait une bonne affaire. Voilà, donc déjà il y a ça. Ensuite, Makila, si tu peux aller au Skitokaz, frère, je dois monter sur scène, faire des sons là. Ah, j'ai mis le GPS. Ils m'attendent. Qu'est-ce que j'allais dire? Et en gros, hier, tu vois, je leur dis, ouais, d'ailleurs, les gars, parce que tu sais, vu que eux, depuis le début, je fais du business de tableau avec eux, tu vois. Après, j'avoue, c'est un peu ma faute, hein, j'ai un peu trop ouvert ma gueule. Hein. Je t'avoue, en vrai, j'aurais dû fermer ma gueule. C'est quoi, ils ont cramé? Tu mets double jeu en gros? En gros, non, en gros, le business de tableau, maintenant, c'est moi le fournisseur, c'est moi qui. C'est mon biz quoi. Et en gros c'est les YBI qui me l'ont donné. Et parce que c'était à donné eux. Donné carrément. Et ils me l'ont donné, ouais, mais en échange de en échange que je baise les hautcasts avec eux. Donc bref. Du coup eux tu vois, j'ai récupéré le business de tableau et tout. Et hier je vais voir le hautcast. On voit le volant Makila. On va arriver après demain. J'avoue mon moonwalk. Tiens, regarde. On va le volant encore. Je vois le... Du coup, j'ouvre trop ma gueule et tout, et je dis hautcast, ouais, d'ailleurs, ben... Attends, mais pousse. Mais gros, on avance pas, on voit le volant. T'es putain, on est sur place, là. T'es où, là? On est pas si... Là, on est à un virage, là. On voit le volant, quoi. On a pas les taux. On a un camion rouge. Ouais, c'est bon.
Vas-y, continue vos histoires et là, bref, je rigole un peu, moi je m'étais là. Bref, ensuite, j'ouvre un peu trop ma gueule, je dis ouais d'ailleurs les gars maintenant, vous savez c'est qui sur les tableaux? Ils me disent non, on sait pas c'est qui. Et je dis ben c'est moi maintenant. Ils me disent ah ouais et tout, comment tu l'as récupéré à qui? Et là je panique, je dis oh Wolf. Je dis oh Wolf. Ah t'as menti pour de la merde et ton cramé en gros. Et en gros je dis ouais, je les ai pétés sur l'endroit et je leur ai pété la clé et maintenant c'est à moi. Et ils m'ont dit ça m'étonnerait, on connaît très bien les Wolf, ils sont pas du tout sur ce business, machin bidule. Attends, putain. Mais en gros, c'est quoi le souci là? C'est que t'es menti ou c'est que t'es sur le ouais, business? Ouais, c'est que j'ai menti. Et quoi, t'es menti? Même si tu mens, déjà, toi t'es con, tu mens déjà toi? Ouais, en vrai, non, mais même, c'est pas la connerie d'avoir menti parce que je pouvais pas faire autrement. J'allais pas dire oui, c'est les YBI qui me l'ont donné. Ils auraient compris que je me range d'un autre côté, tu vois. Mais même, t'as trop pété ta bouche avec eux, ils ont pas à savoir. Votre relation à vous, elle est plus qu'amicale. C'est à cause de vous deux, c'est des ça, deux côtés. Hein. Non, mais en vrai, j'ai pété ma gueule pour rien. Et en fait, regarde là ce qui se passe. C'est qu'en gros, ils m'ont dit, ouais, c'est impossible que les Wolf et tout. Et après, ils me disent, ouais, mais toi, tu crois, on est qui en fait, frère? On est les Outcasts, on sait très bien qui vend les tableaux. Et il dit, ouais, en fait, là, t'es en train de nous prendre pour un con. Je dis, ben non, j'ai pété un Wolf dessus et tout. Ils m'ont dit, ah, vas-y, on réglera ça, machin. Donc là, ce soir. Je suis en train de préparer mon showcase et tout, frère. Je te jure, il y avait au moins 40 personnes au Skitocase. Hein. C'était abusé sa grand-mère. Et il y a deux autres cases qui arrivent. Je dis, ouais, les gars, garez-vous ailleurs. Ah, t'es là, t'es là. T'es plus là. Ils me braquent au milieu tout le monde. Je dis, vas-y, machin, je monte. À Inglewood. Et en gros, ils avaient braqué Omar, un mec des YBI. Et en gros, ils nous avaient séparés. Et ils m'ont dit, ouais, t'as fait quoi comme bise avec eux, machin bidule. Je dis, bah, moi, je leur ai acheté un peu de kétamine. Et machin. Et après, ils me frappent et tout. Je dis, ouais, je lui ai vendu aussi une trentaine de tableaux. Et il me dit, c'est pas vrai, Omar nous a dit que tu lui as vendu plus de 500 tableaux. Ce qui est vrai d'ailleurs. Donc je sais pas si Omar il a vraiment dit ça. Parce que là, le big des YBI, il m'a dit que c'était pas vrai. Donc je vais aller. Omar, c'est le big des YBI? Non, c'est pas le big, non, c'est un gars c'est des YBI. C'est qu'une voix aiguë là. Et après, du coup. Bluff, de toute façon, c'est que tu fais la manipulation. Et en gros, là, le rendez-vous, il a fini comment? Il a dit, ouais, bah, de toute façon, on sait que tu mens et tout. Il m'a sorti une AK-47, il me l'a mis sur le front. Il m'a dit, frère, maintenant, il y aura plus jamais de business entre nous. Les armes, tu nous oublies. Les munes, tu nous oublies. Nous côtoie plus. On se parle plus jamais. Machin, c'est fini, tout ça, entre nous. Et je lui ai dit, bah, vas-y, ok. Voilà. Ça te fait trop péter ta bouche. Ouais, bah, après, je te mens pas, je perds pas grand-chose, hein. Va. Bon, va me faire une prestation digne de ce nom là. Désolé les frères. Non, c'est pas poussé hein. Non, c'est putain, merde. Les gars, tu t'es sauvé, tu me sers. C'est quand mon moment? C'est maintenant. C'est là. Les gars, on applaudit Skittles, le grand patron du Skitocase. Ouais, Skittles. Désolé du retard, Emmanuel. Désolé, les gars. Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. T'aurais jamais grandi dans l'ombre de ton cousin Rondo. Nier sur Twitter, les gars. Un autre. Let's go. Tu pourras m'en vouloir à vie. Tu m'auras sûrement déjà du bruit, du bruit. Et t'entendras ce message à travers Gold qui te l'aura remis. Alors écoute ce que je vais te dire. Frère, je vais avoir que un son, le deuxième, je peux pas l'avoir là. Par collé, sera personne. Là, c'est le dernier. Ou au préjudice que je t'ai fait subir. C'est le dernier son, les gars. Faites du bruit, pensez-vous. Elles sont teintées par la noirceur de ton deuxième. Je dépasse mon grand frère, maintenant je rappe dans les temps. Je vais te fumer, il serait temps que 17 sur la tempe. Qu'est-ce que tu disais? Je me demande pourquoi tu nous tentes. Négro, tu sais que je suis le détenteur. Je brise le vice de ces menteurs. Je kill bitch Kiji et je toute la vie. PDM pour les pointeurs. Je te mets BDM, tu forces un DM. Je fais dernier BM, let's go. J'ai la flemme de fit avec toi. Personne veut fit avec toi. Je fais gaffe avec qui je bête Renoir. Personne t'aime à part le trottoir. C'est dommage car ce carnage. Renoir, c'est pas ton âge. T'es mon big ops, t'étais le big buzz. J'ai repris ton son et fait monter le buzz. T'étais une salope qui a trahi le. T'as cassé les codes. T'es un négro sans valeur qu'a ramassé le god. Ta vie entre mes mains, la lumière je l'ai switch off. Open eyes, spell the body, c'était big rough. Fais les 400 coups, j'peux dire que t'étais le big rough. Lâchez l'équipe qui tend la main, move de big touch. Entends tes derniers mots, trop peu audible. J'prends le relais, j'ai la fame et roule en Audi. As-tu pensé à ton cousin, il est fin possible. S'il prend ton chemin, pour lui la fin sera horrible. La fin sera horrible, la fin sera horrible. Je dribble avec tes couilles comme Boris, zéro tolérance, pas de lâcheté, respecte mon frère Driss ou je sors le fer sur ton pif. Écoute le son, je sais que tu kiffes et je raquette même des centimes. Qui t'y suce avec les dents, cette bitch va chez le dentiste. Tu veux la sauce, te mets dedans, j'encule ton set d'autis. Et j'encule ton set d'autis. Capella, laisse-moi le choix, c'est bien ta capté qui sont les grands. Je crois que t'as peur de Matilda, tu veux son caleçon ou le Lébran.
tu veux sont les blancs. Les Wu tapent que les petits. Capella défend les blancs. Mon blanc t'es son petit. J'ai clash pas les blancs. Tu me dois 50 000. Tu nous saoules comme Oupti. T'es un sale type. T'as voulu me disrespect. Mais ton pire ennemi c'est Kenny ou LD. T'as 3 abonnés. T'as pas ta bonnie. Tu parles tellement. Je me demande si tu taffes pas au Bénis ou au LSPD. Bitch on ma boniche. M'appelle pas homies. Hein. Viens surtout pas à l'église. Y'a la moitié de ton quartier enterré derrière l'église. Je suis rentré dans le studio et j'ai shoot 3 fois. Une dans la tête, deux dans le thorax, j'ai ôté ta foi. T'es pas le premier ni le dernier dead body que je vais citer. Les dimanches à l'église, y'a ce fameux livre que j'aimerais citer. Si c'était à faire, je le referai et je réitère. Je suis pas dans l'exécution, plutôt dans la mise à terre. Quand je pose ce son, le canon est dirigé vers sa tête. J'élimine ton cousin le bonbon, puis j'irai voir sa mère. Alors oui. J'ai tué Roux. Fucking bitch. Ah, voilà. Une dans la tête, deux dans le temps. Pour le gang, faux frère. H83, ça pardonne pas. Welcome en enfer, bitches. Oh mon dieu! Yeah. Voilà, oh, les gars. NIR. Servir, les gars, merci d'être venus, ça fait plaisir. Un autre. On applaudit Skittles, le patron du Skito Caz, le leader des véhicules d'occasion. Encore merci à lui d'avoir accueilli le showcase du NIR. Un dernier, s'il vous plaît. AD, il a parlé du Skito Caz, c'est bon? S'il vous plaît, une exclue, un leak. Je l'ai fait. Okay, les gars, restez branchés, je vous rappelle, jeudi prochain. En plus, vous avez dit le N-word, monsieur, allez, un dernier. Laisse-le parler un peu. Il est trop fan. Les gars, restez branchés, ça va arriver fort. On vous en parle plus dans la semaine. Et encore merci à Skittle, ça, je pense qu'on peut l'applaudir tous. Merci les gars, merci à NIR. Merci à North Singlewood Records pour avoir amené ces artistes talentueux, comme d'habitude. Et les gars, le Skito Caz, c'est ouvert tous les jours. Si vous voulez vos voitures, c'est le meilleur endroit. Donc, dédicace. Y a pas de soucis. Tout ce qui est à l'intérieur, dédicace le roux, dédicace force, mec. Profitez-en, pas toi. Trop fan, putain. Bon, voilà les gars, NIR. Merci à vous les gars. À bientôt, merci d'être passé. À bientôt, restez branchés. Ça arrive fort, ça arrive avec du lourd, les gars. N-word, gang. Stupid. Vous voulez commencer par quoi? Pour le compte, par le contrat ou par la voiture? Quoi? Y'a quoi d'incohérent? Je pense par le contrat. Y'a pas eu ton feat avec Pata? Ben ouais, parce que frère. Parce que Pata, il devait m'envoyer les pistes, sauf que j'ai pas eu le temps de le gérer vu que j'étais pris en otage. En fait, il devait m'envoyer les pistes, je devais aller exporter le son et le mettre sur YouTube. Y'avait quoi d'incohérent là? Bah en vrai, je pense que. Même l'ouverture c'est chaud pour moi, donc on aura une heure, donc je vais voir. Et les gars, n'hésitez pas à faire le tour s'il y a des véhicules qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous interpeller, hein, y a pas de souci. Ouais, bah. T'es tout sorti là con, toi. Ouais, tout est sorti là. Ok, bah vas-y, garde la voiture. Et c'est barré, hein, Kyle. Le stream, moi, j'ai ma moto. Y a un décalage, mais ouais, parce que le stream il a freeze pendant 2 minutes, ça veut dire que vous avez 2 minutes de délai en fait. C'est qui vient de la scène? Que t'avais voulu m'appeler, j'ai voulu travailler. Ouais, yo, Wagwan. Moi, Rafaela, la matin, midi, soir, viens. Oui, est-ce qu'ils t'aiment? Ouais. T'as reçu tes nouvelles coachées ou pas encore? Ouais, ils y sont là, Vous pouvez faire le tour, y a des trucs moins chers. Faut juste demander à AD, parce qu'il y a pas encore les prix, je crois. Vas-y, bah je vais satisfait, Skit, ou quoi? Hein? Il est où, là? T'es satisfait ou quoi? C'est comment? Eh, frère, y a une galère, t'as vu ou pas? Ouais, on m'a dit. C'est dingue, je me suis fait à Los Santos, y a peu de gens qui ont les couilles, hein, de faire ça. Il fallait que ça arrive 10 minutes avant le truc, quoi. Surtout que j'ai appelé le D, il m'a dit, parce que pour la sécurité, tu vois. Ouais. Il m'a dit, on est en plein milieu de Jinglewood, au Skito Caz, qui va faire quoi, tu vois. Et je me suis fait menacer, moi, à la sortie de mon show. Qui? Un mec, Floki d'un je sais pas quoi, ah, là. Je le connais, Floki, ouais, c'est un Bloods. Après lui, habite à Jinglewood, il va rien faire, mais t'as capté. Ouais, il est venu me voir, il m'a dit, ouais. Biquet, c'est comment Bloodskiller, fais attention à ce que tu fais, tout ça, c'est une dinguerie. Ah bah ouais, non. Après, c'est un Blood, si t'appelles Bloodskiller, c'est vrai que... Mais je m'appelle pas Bloodskiller, je m'appelle Byron King, mec, c'est mon prénom. Ouais, mais... tu sais très bien, ça veut dire quoi, Biquet, frère? Fais pas l'aveugle. Non, mais tranquille, s'il faut te protéger, t'inquiète, je leur dirai, je les connais bien. Ouais, moi je sors la calage, t'inquiète pas. Ouais, même moi, je vais la Draco, en direct. Skit, pour le paiement, on s'arrange plus tard? Ouais, juste là, en gros, on était censé avoir l'argent avant le showcase, juste les papiers, le gouvernement, ça prend un peu de temps. Donc là, on va finir les rendez-vous après, et dès que je les ai, ben, un virement de 35 000, hein.
comme promis. C'est, hein. C'est nickel, comme ça je lui vire ses 5000 déjà au frérot là. Ouais. Pour la... Il a fait le job, hein. Franchement. Ouais, je pense ouais, que t'as ouais, vu, j'ai vu déjà vite fait, c'était job, bien. Hein. Non, franchement, vous avez bien rattrapé ça. Bon, après, de toute façon, il n'y avait pas besoin de moi particulièrement, mais t'as capté. Après, j'ai dit Max, Max sur le skito cas, mais. En fait, ouais, quand j'étais pas là, il a fait problème, une promo de foot. Juste le problème, c'est que mon deuxième son là, avec AD, je devais l'exporter, il devait m'envoyer sa piste, et vas-y, je suis arrivé à la fin, frère, je pouvais pas faire ça sur scène, t'as capté. Oui, forcément. Donc, ouais, bah nickel. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, ce mec-là, il va bosser avec le NIR. Ouais, et par contre, en vrai, même la décoratrice, hein, elle est vraiment forte, hein. Ouais, mais elle, je l'ai payé. Tu lui as donné combien? J'ai donné 8000. 8000, ok. Ouais, non, franchement, elle a fait ça en rapide, ils étaient deux, je me dis. Mais surtout, on l'a appelé à 22h40, on lui a dit, meuf, fais-nous ça pour 23h. 23h, ouais. Elle a conduit ça, c'est bon. Rien. Ils ont fait ça, ils ont géré de ouf, c'est carré. Ouais, ils sont chauds. Vas-y, okay. Bah, c'est nickel. Non, vas-y, skit. Bah, je vois avec le Gouv et on se tient au courant, ok, les gars. Vas-y, carré, ça. Vas-y, Simer, les Renois. Ouf. Sa mère. Attends, Dolores, je suis en rendez-vous très important. Parfait. Skit Zachary. Arrête de m'appeler Zachary, putain. Attends. T'as besoin d'un truc ? J'ai besoin de toi. C'est ouais. Pour un truc, si. La comète, elle a combien là-bas ? Même, ou alors, est-ce comète qu'il faut que jaloux. Ouais, la coquette, la comète, je sais pas quoi là. Ah, c'est pas une comète, ça, c'est une gyro. La jaune, non, là ? Non, la bleue. Là. Non, elle, là. C'est une comète, on est d'accord. Ça va vendre ça ? Je sais pas si ça va vendre. Attends, je vais demander à AD. Je sais pas. Ah bon ? Ben, si elle est garée là, normalement, ouais, hein. C'est juste que là, on vient de recevoir une livraison de véhicules, donc je vais te dire. Je vais te dire. Ok, vas-y, merci. Non, la comète est jaune, mais je sais pas si. Ça va ou quoi, No Face ? Peut-être deux zobs va te faire une white piste comme une merde. Yo, les gars, tranquille. Wow. Vous avez besoin de quelque chose, les gars ? Ouais, non, je sais pas, moi je repars, t'inquiète pas. Oh, je crache sur ton cœur. Oh, comment ça date, ça ? Oh, j'ai la rêve ! On n'oublie pas les légendes, hein. Oh, l'ancien ! Les souvenirs ! Putain, je l'aime trop, lui, il date. Cet enfoiré. Alors, Colt. Si vous avez besoin, les gars, j'arrive tout de suite, hein, si vous avez besoin d'un vendeur. Il me faut ta carte d'identité, tête de zombie. Eh, ma petite couille, déjà de 1, tu vas t'excuser, et de 2, tu vas me dire s'il te plaît. Vas-y, montre-moi ta carte d'identité, là, sinon tu repars à pied, tête de zombie. Eh, grosse couille, hein. Eh, bouge pas, grosse couille, regarde, tu veux juste la mettre, tiens. Vas-y, montre-moi ta carte d'identité, là, je suis dans le contrat, là, je te vois même pas. Regarde, viens, mais non, mais me la donne pas. Je suis donné, je suis con. Eh, faut te niquer, toi, putain. Tiens, ah, putain, le con, attends. Oh la tête de chip. Vraiment. C'est une folie hein, d'avoir une tête de chip comme ça. Il est mieux avec les lunettes hein. Il est mieux dans le noir. Alors acheter un moonbeam. Ça veut dire coucher. Ça veut dire que t'es pas beau à voir. T'es moche quoi ça en gros. Souris toi. 39 000 $ en cash, au skito case, le 10, ok. Faut juste que je prenne la plaque. Est-ce qu'il y aura un mécano ici? Non. Non, ici c'est la vente. Ouais moi, petite blague. Ah ouais, bah c'est AD hein. Ah merde. Bon con. Alors, la plaque d'immatriculation. T'as vu ici quand on est pas dans notre pays, c'est compliqué quoi. Je t'ai dit mec, comment tu causes à tout le monde, les gens ont envie de te mêler, c'est normal. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui veulent me buter. Tiens Colt, ça m'étonne pas qu'il y a du monde. Je te donne le contrat du coup, il faut que tu le signes, s'il te plaît. Oulala. Il pèse hein. Il pèse hein, le contrat. Attends, regarde, c'est pas fait sur le Dartograph. Ouais. C'est un moonbeam, c'est pas une moonbeam déjà. Ouais. Il a pas été beaucoup à l'école, regarde, c'est pas de sa faute. Ah, écoute, moi, je suis pas dans l'orthographe, moi. Ça peut acheter des colliers, mais ça sait pas parler, hein. Il n'est clair. Hop, voilà, William Colt. Putain, oui, c'est moi, c'est moi. Tu la perche pour te faire battre, toi. J'arrive. C'est pas ton nom ? Je m'appelle Tariq. Ah, ouais, non, je comprends. Là. Du coup, dis-moi. En fait, je suis un inventeur. Je suis un inventeur. On sera la prochaine. Hein. Vas-y. Hein. Ah, c'est dommage. Parce qu'en plus, le projet Rolling, ça partait bien. Et en plus, frère, tu sais que là, en ce moment, Inglewood est à son prime. Il n'y a jamais eu autant de civils et tout. C'est trop choquant. Wesh. Pourquoi il y a l'autre bug à côté là? Je fais péter un câble. On va devoir transporter une 16 avec toi. Pourquoi il s'est incrusté dans la photo, le couze? Il veut quoi? Je sais pas, il a pas... Attends, il me propose une idée révolutionnaire. Vas-y, bah les couilles.
Alors. Du coup, tu m'as donné l'argent, le contrat est signé, c'est nickel. Du coup, tiens, clé, carte grise, tu peux aller au concess, du coup, pour changer le véhicule à ton nom, parce que là, pour le moment, il va être au nom du Skitokaz. Ah ouais, mais c'est la merde, parce que j'aurais pas sur le téléphone. Si, il va te la donner à des... À des Laurent ? Ouais. Ah oui. Ouais. Tu peux venir lui donner sur le téléphone, là, le Moonbeam, s'il te plaît ? J'arrive, j'arrive. Il arrive. Oui, ma petite pépuche. Nickel. Bah, en tout cas, merci pour ton achat au Skitokaz et nique ta mère. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. J'ai besoin de quelque chose, les gars. Oui, on voulait juste savoir le prix de la primo, s'il vous plaît. À la primo, elle est à 40 000 actuellement. Elle est full custom. T'es la grosse salope. Okay. Et 40 000 véhicule moins cher, vous avez. Alors, le véhicule moins cher, je vais regarder ça. Bah, hors moto, tu veux dire? Oui, hors moto, oui. Alors, moto, tu veux dire? Je regarde. Alors, on a le Granger là qui est là à 21 000. Tu vois qu'on doit échanger des papiers. On a la petite Fluto blanche là, 21 000 aussi. Mais c'est des coups de cœur. Et c'est à peu près tout en termes de voitures les moins chères, ouais, c'est ça. Il y a une grosse paire voitures de Jordan 4, forcément. Et la Kanjo, non, c'est celle-là, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais aussi, il a un peu... 18 000, celle-là. Il a une collier au cul, il croit que... Okay. Quand il a gagné, il est millionnaire. Bon, bah, merci, on repassera. Vas-y, n'hésitez pas, les gars, repassez, hein, avec plaisir. Bah, il a oublié que c'est le seul. Vas-y, merci. À bientôt, les gars. Yo, les gars, y'a quelque chose qui vous intéresse ou quoi, Santa? Ouais, ouais, juste pour me renseigner sur le prix de cette chope, hein, Renaud. Et ben ça, c'est une bonne affaire, mon gars, parce qu'elle coûte 30 000 dollars. West Coast, cousin. Que de la West Coast. Hein. Que de la West Coast. Bah là, on a plus trop de... On a plus trop de lowride, là. Ouais. Ouais, celle-là, elle est sympa. Elle coûte 38 000 au concess. Et là, elle est à 30 000 full custom. A savoir qu'une custom sur ça, ça coûte environ 10-15 000. Hein. Okay. Là, tu fais une bonne affaire. C'est long. Ok, ok. Et sachant que tu peux payer jusqu'à 50 000 en cash, ben t'es pas mal. Ok, 50 000 en cash, c'est long. Voilà. Okay. Ça, bah tu me dis si ça t'intéresse. Hein. Vas-y. Ce qu'on a dit tout à l'heure, là, t'as besoin ou quoi? C'est pour pas de la manne, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, moi. C'est quoi, c'est par manque de moyens ou... Oui, tu connais, là, on est plutôt dans... Yo, connais, man. Je connais... On a chopé un peu. S'il faut faire un chrome, frère, c'est possible. Non, je te bois pas, man, j'ai pas trop d'écran. Ok, ok, bon, tranquille. Bonsoir. Yo, bonsoir, les gars. Cousin. Yo, ça va ou quoi, les man? Yo, bah, ça va, ça va. Attends, quoi? Ouais, c'est ma chouette. Tu sors d'où, toi? J'étais en vacances, man, gueulable. Ouais, je suis l'ancien. C'est du quand, mon frère? T'as vu comment ça, j'ai chant ici, ma gueule? Bah, gros, après, c'est un peu grâce à nous, hein. C'est quoi? Moi, j'étais là, c'est... depuis le début, lui. Moi j'étais là. Moi j'étais là depuis le début, frère, tu me racontes quoi? On m'a déjà rien fait. Non, t'as pas rien comme fait. Toi, t'as pas rien petite fait. Bite, bah. T'es toujours un grippe ou t'es un petit peu? Bah, bien sûr, je suis un grippe. Carré, mec. T'as vu là, même, c'est. Frère. Nous on a ouvert notre grand. Entreprise là. Je suis encore un big, hein, mon pote. Ah, bah c'est carré. Juste que j'étais pas là, mon pote. Là, t'as vu, on a ouvert notre entreprise là, ici, moi et AD. T'as raison. En vrai, c'est à moi, mais c'est AD qui bosse le plus, quoi. C'est un pop. Ils sont où les petites bites là? Ils ont changé de quartier, quoi. Qui les grippe? Ils sont ouais, ils habitent chez les Wu, frère. T'es pas grand qu'ils les ont. Oui, mon G, frère. Les... Vas-y, attends, je vais les capter. Ouais, Renaud, t'as besoin d'un truc? Vas-y, ouais. Ski, tu m'appelles quand t'as besoin, frère. Vas-y, Renaud. Est-ce qu'il y a moyen que tu passes un coup sur la carrosserie de mon véhicule? Où? Parce que je suis passé au mécano. Là, le. Lui, là. Lui, là? Bracelet. Vas-y, attends, je vais regarder ça. Ça te dérange pas? Pas de galère, mec. Parce que là, c'est une épave, le truc. Ouais, mais c'est bizarre. En ce moment, ils peuvent réparer les moteurs, mais pas le reste. Ouais, bah, c'est pour ça que je te demande. Vas-y, Renaud. Ouais, j'ai cherché de la bouffe, moi. Va falloir que tu me redescendes pour chercher un Night Bay, là, moi, qu'on peut la foutre. Ouais, t'inquiète, là, j'arrive. C'est chaud. Ah, tu veux la foutre dans le coffre? Yo, quoi, ça va ou quoi, les Renois? Ça va. Vous allez bien, oh, ça va. Il y a les full perf, du coup. Peut-être ça sert. Alors, les gars, là on a acheté une cargaison, on a pensé aux bikers. On a acheté que des américaines. Bah, là, il y a un petit paquet. Bon, il y en a déjà quelques-unes qui sont parties, je vous mens pas. Ouais, on a pris ça. Ben, s'il y a des trucs qui vous intéressent, dites-nous, hein, on peut... Ouais, ça marche, on va vers toi. Pas de soucis. Ouais, je pense Night Blade, hein. Ouais, ou une crosse. Putain, les gars, on est au prime. Hein. Skit. Ouais. Problème, j'arrive pas à monter dedans, tu peux la bouger ou pas? Celle-là, ouais, mais... Ouais, et il y a le Riata, hein. Qui ouais, le Riata, il est là, faut que je m'en occupe. Ah! Riata de salope. Ouais.
Oh, on peut les laisser là, hein. Moi ça me dérange pas. Ok, eh hey, putain les gars, c'est chaud hein ce soir. Ouais. T'as pas fait de contrat papier pour les mecs qui ont acheté en cash? Si, 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 je les ai. Ah ouais, jure. Ah, mais putain, mec, tu crois que je suis pas une... Tu crois que je suis une salope? Ouais, non, je sais pas, on sait jamais. Du coup, les gars, je vous prépare ça. Impeccable. Dites-moi, les gars, c'est possible d'avoir la moto sur l'application Garage ou pas? Bien sûr. Parce qu'en fait, j'ai acheté une bécane, mais je l'ai pas en fait. Elle est là le problème. Ah non, on peut pas te la rajouter par contre. Non, on peut pas te la rajouter, mais quand t'achètes un véhicule. Non, mais non, ici, non, ouais, ici je l'ai acheté en fait. Je l'ai acheté hier. Ouais, celle-là, ouais, on a les trucs. Ah, tu l'as acheté ici ta moto hier? Ouais, ouais, mais j'ai, ouais, je l'ai acheté Indian. Hier, mais bon, c'est quoi, c'est une Indian? Ouais, l'Indian, ouais. Attends, je vais vérifier, regarde, mais je crois, si que... je crois que la personne elle est décédée et que je l'ai pas. Ah. Oh merde. Ouais, parce qu'en général, les gens quand ils viennent vendre ici, du coup, on fait le transfert. Mais du coup, si c'est des véhicules qu'on récupère avec des mecs décédés, ouais, c'est. Non, je l'ai pas, l'Indian. Ah merde. Putain. Après, c'est pas grave, t'as les papiers, non? Ouais, t'as les papiers, ouais, jamais bon, personne te saoulera. Ouais, je sais, non, c'est juste au cas où si je la perds quelque part pour la retrouver, quoi. Bah, si tu la perds, juste ne traîne pas, va au Punskar. C'est-à-dire, si ça fait par exemple 24 heures tu l'as perdu, va au Punskar. Ouais. Parce qu'en fait, au bout de deux semaines, au Punskar, les véhicules ils les considèrent comme abandonnés et en fait, ils nous les vendent à nous. Parce que c'est deux semaines si je la bouge pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Deux ou trois semaines. Ah, ok, ça ouais, c'est, je crois que c'est deux semaines, un truc comme ça. Ah, je crois que c'est trois semaines. Ok, bon. En tout cas, t'as le temps, ça veut dire. Si ta moto, tu la trouves plus, tu vas au Punskar au bout de 24 heures, tu la récupères, tu payes un petit prix et voilà quoi. Ouais, je vois, vas-y, ça marche. C'est laquelle, le Nightblade, du coup? C'est la YQ. Attends, je te dis ça. Ah, c'est fort quand même, hein. Yécousin. C'est sale véhicule, sa mère, hein. Man, je te mens pas, je voulais te demander, je sais pas si c'est possible. Est-ce que tu peux nous la coffrer pour demain? Demain on a l'étal. Ouais. Si tu me dis que demain t'as l'étal 100%, moi je te la réserve. Non, Fallen Grave, man, sûr. Ok. Sur ce. Attends. C'est à toi, c'est ça? Faut que j'aille la marque, mais... T'auras en liquide ou en banque? Liquide, je te mens pas. Non, j'ai de la grippe, pardon. Ok, vas-y, c'est bon. Je te la réserve. Vas-y, carré. C'est lourd. Vas-y, pas de galère, les gars. Vas-y, parfait, Skittles. Vas-y, moi, merci. Là, je crois que c'est celle qu'on vient de vendre, celle-là. Ah ouais? Greenwood, ouais, je la mets en violet. Ah merde. Putain, je suis skate. Alors, bon, c'est parti. Go gérer les trucs illégaux là, parce que putain. Sa mère, frère, je suis débordé, wesh. Allo? Ouais. Désolé, man, je suis débordé sa mère là. Si tu veux, on peut se voir. T'inquiète, y'a pas de galère. Je finis mon rendez-vous et je vais te voir. Vas-y, c'est bon, à tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Voilà, mon pote, c'est carré. Faut que tu me le signes par contre, frérot, le contrat. Pour le signer, t'as vu, prends le stylo. Attends, je te signe ça. C'est un abatteur de véhicule, il sait pas encore comment un silo ça marche. Oh non. Oh merde. Voilà la moto. Hey, ils achètent quoi là? Vous achetez la. La Nightblade. La Nightblade. La Nightblade. Hey, Skittles, bonsoir. Yo, ça va ou quoi, président? Ça va bien et toi? Ouais, nickel. Dis-moi, je t'appelle déjà pour savoir si notre discussion de la dernière fois, il y avait un truc concluant là. Et pour te dire qu'au Skittocase là, on a reçu une nouvelle cargaison un peu. On a un peu pensé aux bikers, donc si t'as besoin, on a quelques motos là américaines. Donc, si jamais ça peut te plaire. Je vais passer et on discutera, ça marche. Allez, c'est bon. Bah, on se voit tout à l'heure. Vas-y, ça roule. À tout à l'heure, mec. Vas-y, ça roule, Skittles. Attends, il manque un contrat, frérot. Non, j'ai vendu la Chino en liquide. Non, j'en ai une que j'ai vendue en banque. La Nightblade. Ah ouais? Nightblade en banque, Chino en liquide et Moonbeam en liquide. Donc là, normalement, sur moi, t'as le contrat. Attends, ouais, deux secondes, Mendes. Là, normalement, t'as le contrat sur moi du Moonbeam et du Chino. Ok, carré. Voilà. Ouais, allo, Mendes, ça va, mec? Ouais, ça va et toi? Ouais, désolé, je suis débordé sa mère. Hein. Là, c'est abusé. Du coup, si tu veux passer au Skittocase, on gère ça? Ce qu'on devait gérer hier? Ouais. Ramène ton matos et on discute, vas-y. On discute avant, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre, t'inquiète. J'arrive. Ah oui, il fallait pas qu'on se voit ensemble, c'est ça?
Ouais, mais. Tranquille, bah je te ferai. T'inquiète, on a un bureau, je te ferai rentrer. On fait ça. Vas-y, à tout de suite. Tout de suite. Adé Laurent? T'es là? Ouais, t'es là. T'as la liste ou pas du Poonscar? Tu m'entends? Ouais, dis-moi les véhicules de tête après, je connais. Une électrique, Dolores. Y avait pas un truc électrique? Non. Ok, tiens, je rajoute 59 000, frère. On a 300K en liquide, hein. Ouais, moi j'ai 20K aussi. Et c'est quoi AD en bas, là? Je t'ai déjà dit, c'est... Comment ça s'appelle? Je sais même plus, frère. C'est quoi déjà ça? Moi, de base, d'ailleurs, je dois... Ah oui, il y a des mecs qui ont ouvert un label et... Ouais. Quand j'ai vendu le Glock, je sais plus, bref. Ok. Après, moi, je dois 138 000 ici, donc ça veut dire que là, concrètement, il y a 300K. Si je mets... Il y a 438 000. Après, et en banque, il y a 100 000. Après, Belek, je les rembourse jamais. Hein. C'est bon, on est riche. Non, abuse pas. T'as vu, tu commences, toi. Mais frère, ça part pas. Non, tu sais que là, j'ai 10 pétards, il y en a pas un qui est parti. Bah écoute, tu les rembourseras plus tard, mais tu les rembourseras, frère. Abuse pas, commence pas à faire des trous dans les comptes. Parce que là, j'ai 100K. Hein. Toi, tu veux me faire un trou de 135 000, frère. On s'en bat les couilles, mec. Non, mais frère, il y a plein de petits d'ailleurs, en on pourra blanchir. Ouais, du coup, tu m'as dit là hier. Faut que je vois si ça peut intéresser des gens. Là justement, je suis en train de faire la suite du compte de blanchiment là. Ok. Faudra que tu gères toi la facture parce que le mec, je devais lui envoyer un mail, mais je me suis rendu compte que je m'étais peut-être un peu embrouillé avec lui. Qui? Le procureur. Ah. Par contre, frère, Gotesque, hein. Concert, il y avait trop de monde. Tu sais que avant que t'arrives là, il y avait trop de monde, frère, partout. C'était abusé. Ouais, je sais, non mais c'était. Tu sais que c'était. Oh là là, c'était la course, frère. Ouais, il y avait tout le monde qui voulait acheter des voitures. Il y avait Biquet qui me disait: ouais, il est où ce kit? Je sais pas quoi, tu vas passer dans deux secondes. Mais t'as vu comment ils m'ont braqué ou pas, ces fils de pute? J'avais trop la haine contre eux. Hein. Comme des bouffons. Ils m'ont... Bah, t'étais à côté, ils m'ont braqué au milieu de tout le monde, frère. Mais je sais pas, ils ont fait quoi les flics, hein? Parce qu'il y avait des flics à côté. Hein. Non, il y avait pas de flics. Ah bon? Ils s'étaient tous barrés en fait, les flics, ces enculés. Parce que le lieutenant là, il m'a dit qu'il m'envoyait deux unités, etc. Là. Ouais, du coup, essaye de réfléchir si au Poonscar il y a une électrique. Non, y a pas. Ok, parce que... Putain, mais là, en fait, il y a une Néon Custom qui intéresse Dolores et qui est garée à l'Unicorn depuis 3 semaines. Le problème, c'est que si le Poonscar, il va la chercher, on n'aura pas les clés. Bah, enfin, il pourra pas, ouais, 3 semaines, putain. Ouais, t'es là? Ouais, je suis devant, ouais. Ah, désolé, attends, je suis à l'intérieur, j'arrive. Ah, tranquille, ouais. Wagwan, Renoir, tranquille. Ouais, ça va ou quoi? Putain, la chaîne de fou, ouais! Eh ouais, Renoir, chaîne de Crips, hein, tu connais, hein? On ouais, a investi. Ouais, elle est incroyable, ouais! Vas-y, viens, on va aller parler dans le bureau. Ah ouais, je te suis, ouais. Alors, comment ça se fait qu'il faut pas qu'on nous voit ensemble? Bah, c'est la merde, un peu, ouais. Attends, on va aller là. Je vais t'expliquer, ouais. On sera bien, vas-y, prends la porte. Qu'est-ce que t'as? Ouais. Ah oui, si, c'est bon. En gros, je vais t'expliquer. Ouais. Moi, on m'a beaucoup parlé de toi, Skittle. Ouais. On m'a dit, ouais, Skittle, c'est un bon. Skittle, c'est un petit de la cahier. Ouais, il a fait des business, etc. Il a eu la confiance des grandes de la cahier et tout. Et maintenant, il a ses propres business. Il est riche et ouais, il sort un peu de la cahier. Ouais, c'est un peu, tu vois, ce qui se dit sur toi. Tu vois. Ouais. Et moi, comme j'ai pris de la prison et tout, et que j'en ai marre de galérer, tu vois, je me suis dit, ben, moi aussi, je vais faire comme Skittle. Ouais, je vais m'en foutre plein les poches et un jour, je vais m'acheter aussi, tu vois, une villa, des putes et tout. Tu vois? Mmh. Ouais. Ok. Je me suis dit, ben, vu que c'est un bon exemple, Skittle, ben, je vais faire un peu de business avec lui. Peut-être qu'un jour, s'il m'aime bien, il me donnera 2-3 tuyaux, ouais, tu vois? Non, moi, je te mens pas. En plus, mec, tu sais, quand tu commences à avoir beaucoup de business comme moi, faut commencer à déléguer. Ça veut dire, tu vois, il y a des business, par exemple. Et en plus, toi, l'avantage, c'est que t'es un latino. À la Colina, il y a des gens qui veulent pas bosser avec moi, étant donné que je suis un black. Ouais, c'est en ça qu'on va parler, ouais. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, donc ça peut être intéressant. Après, mec, moi, je te mens pas, je file pas ça à n'importe qui, hein. Ça veut dire que toi, si tu veux te faire de l'oseille, et je te le dis, tu peux pouvoir faire des millions, si tu bosses bien. Mec, il faut charbonner, il va falloir que tu...
Va falloir que tu montres, mec, que t'as la dalle et derrière, moi, je pourrais voir. Hein. Je pourrais voir ce que je peux te proposer. Ah, moi, j'ai la dalle, moi, t'inquiète pas, regarde-moi ça, ouais, j'ai la dalle, ouais. Mais le problème, hermano, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que t'es en bis-bis avec des grands dés de mon barrio, ouais. Avec les pointés. Ouais, ouais, je crois, ouais. Ouais, moi, j'ai aucun problème avec eux, hein. Je leur ai proposé du bis comme à tout le monde. Ils m'ont juste trouvé arrogant. Et du coup, ils bossent pas avec moi, ils se foutent de ma gueule. Du coup, ben, ouais. Écoute, moi, je leur, je vais pas les aider, hein. Moi, si j'ai rien à gratter avec quelqu'un, je vais pas chercher plus loin. Hein. Surtout quand c'est des latinos, frère, je te mens pas, moi, je bosse à Inglewood, je bosse pour les Renault, hein. Maintenant, eux, ils ont voulu manquer de respect, force à eux, hein. Voilà. Ouais, je comprends. Le souci, tu vois, c'est que, bon, moi, je suis pas concerné par ces histoires-là, tu vois. Mais, ils nous ont interdit, à nous, même les habitantes, de travailler avec toi, ouais. Ah ouais? Eh ouais. C'est ça le problème, tu vois, ça me fait chier parce que moi je te le dis, hein, j'ai stocké ce que j'ai rien vendu à personne, vraiment, même si nos grandés à nous ils veulent qu'on passe par les varios, qui je crois ils veulent te faire aussi, si je me trompe pas. Ouais. Donc moi je les aime pas trop, je les ai baisés ce soir, mais ils le savent pas, ouais. Les abrutis. Donc tu vois, je suis dans la merde un peu parce que moi j'ai envie de faire du business avec toi, mais s'ils savent que je bosse avec toi, je suis mort. Écoute, moi je vais te dire un truc. T'as vu, ces mecs-là, de 1, ils vont rien faire. Et de 2, t'es pas obligé de. T'as vu, tu sais, dans le biz, il y a des gens, ils savent même pas que tu bosses avec une autre personne. Ça veut dire que. Toi, si tu bosses avec moi, ils le sauront pas. Je te le dis, parce que moi, je le dirai pas. Parce que j'en ai rien à foutre. Et tu vois, moi, quand quelqu'un bosse avec moi, c'est un secret, hein, c'est logique. Et derrière, voilà. Derrière, moi, je te dis, s'ils ont un problème avec ça. Moi, j'irais leur en toucher deux mots. Je dirais, moi, je bossais qui je veux. Hein. C'est un problème. Voilà. Après, t'es pas à l'abri que tu te feras plus d'argent avec moi. Mais qui dit plus d'argent dit plus de risques. Ça veut dire que si t'es grand, ils savent que tu bosses avec moi, ça peut peut-être te retomber dessus. Bah, ils vont clairement me matar, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, après, je pense pas qu'ils te tueront. Je te le dis. Je pense pas qu'ils te tueront, mais. Faut pas que ça se sache. Toi, tu couvres bien ton business. Moi, j'ai toujours bien couvert le mien. Y'a aucune raison que ça se sache. Sauf si on se fait voir. Mais si tu veux. Plus de discrétion, on va mettre en place des mesures pour que ce soit discret. À savoir ouais, un appartement où t'auras les clés, j'aurai les clés, tu iras poser des trucs dedans. Moi j'enverrai un gars récupérer les trucs qu'il y a dedans et ensuite je te mettrai ton argent. Comme ça, ni vu ni connu, on n'est jamais vu ensemble. Ah, c'est pas con, tu vois, c'est des tuyaux comme ça ouais, qu'il me faut, ouais. Clairement. Bah ouais, Renaud, t'inquiète, moi je sais y faire, ça m'est déjà arrivé ce genre de situation. Donc maintenant, si tu veux me revendre tes trucs, moi y a pas de souci, Renaud. Maintenant, t'es grand. Moi je vais pas chercher, je vais pas leur courir après, hein. Je vais pas chercher à régler l'histoire, moi je m'en bats les couilles, hein. S'ils veulent faire les mecs comme ça, les mecs indépendants, bah qu'ils fassent les indépendants. Mais on verra bien où ça va aller, hein. On rigolera bien. Bah disons que j'ai l'impression que, bon je parle pas de tes voitures que tu vends, tu vois, mais de tous les petits business à côté, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui font du business, tu vois. Ouais, il y a pas mal de gens qui en font, ouais. C'est sûr. Moi, ils passent tout par les varios, mais moi, les varios, je les aime pas, je te le dis. Hein. Ils se prennent pour je sais pas qui, c'est des trous du cul, ouais. Ouais, ben écoute, moi, je connais pas grand monde à la Colina, je te mens pas, donc je connais les gens de nom. Il y en a qui bangent avec moi, il y en a qui font rien. Maintenant, voilà, hein. Je te dis, si tu veux faire du business, moi, les portes sont ouvertes. Maintenant, quand on aura fait beaucoup d'argent ensemble, on verra ce qu'on peut faire. Il y a des possibilités d'évolution pas, ouais. totalement bonnes, hein, je te le dis. Vas-y, pourquoi pas, vas-y. Ben, si t'as des trucs à vendre là, etc., que tu m'as dit que t'as stocké, prépare-moi ça quelque part, un coffre, ouais. Et je vais venir chercher ça et je te paierai. Vas-y, on fait ça demain, je te prépare tout pour demain. Allez, c'est parti, on fait ça demain, vas-y, mec. Vas-y, ok, on fait ça. Vas-y, ça va, mec. Te blesser, monsieur, ou quoi? Ça va, tranquille. Non, mais tranquille, c'est allé. Il a toujours eu sa canne, okay. Mec. Ouais? Ouais. Je sais pas. C'est une canne longue durée, mec. T'es handicapé? Bah ouais. Eh ouais, Renaud, c'est les dangers de la rue, hein. Vas-y, Skitter, on se rappelle demain, alors. Je vais réfléchir à tout bon, ça, Renaud. Tu vois. Pas de galère. On se voit demain. Vas-y, ça roule. A plus, mec. C'est qui, lui? C'est un petit dépointé. Et les pointés, ils ont dit à tous leurs habitants et tous les mecs de la Coina de pas bosser avec moi. C'est lui qui a balancé ça? Ouais. Intéressant. Donc, okay. T'as vu, eux. On va les baiser. Eux, ça va les pull up. Hein. Ouais, logique.
Ouais, non, mais ça, en vrai, les pull-up, c'est un grand mot. Hein. Line John. Ouais, putain, allez, j'ai complètement obligé de vous, rappeler, je suis désolé. Ouais, ouais, vous pouvez passer, je vous donne votre argent, pas de soucis. Allez, c'est bon, nickel. À tout à l'heure. Ça te dit, on passe à Jamestown? Faut qu'on aille les voir, t'es pas allé les voir. Si, si, je suis allé les voir. Hein. Mais gros, y'a un mec qui vient de passer à qui j'ai donné les thunes pour l'aide tout à l'heure là. Floki là? Là, tu es l'équipe pas, à Floki là, les Pyrou? Un mec qui a une voix de biker. Bah, en tout cas, moi, les Pyrou, je les connais. Hein. Et bah, moi, il m'a dit que t'étais pas passé. Et ben, je sais pas où ils habitent alors, c'est peut-être d'autres mecs. Hein. Attends, je vais déjà m'envoyer une pause. Viens, je descends nos véhicules d'en haut. Ah, bah, viens de m'envoyer une pause. D'ailleurs, ouais. Comment je le. Toi, t'es marrant, tu m'as mis la Schlagen là-haut, mais comment non, je le. Non, mais c'était pour la décoration du concert. Vas-y, tu veux, je les descends. Okay, okay. Au pire, viens, on prend la Super D, non? Vas-y. J'ai pas les clés. Bon, en vrai, les achats, ils sont pas mal au Punscar, mais y'avait pas mieux, y'avait pas des trucs de luxe et tout? Bah, de luxe, pas de ouf. En fait, le Jubilee, il s'est pris pour lui. Ah, le bâtard. Y'a une TEN F8 que je vais peut-être me prendre pour moi, tu sais, c'est une Audi R8. Le mec à la Rolls Royce. Là Le mec à la Rolls Royce. Non, c'est vraiment une TEN F8. Vas-y, recule, frère, tu vois que j'avance. Ouais, Menems, tu peux vite, je peux venir te parler vite, fort, vite. Je peux venir, Mali? Bah, non, non, non. Attends, deux secondes. Je suis un grand, moi. Bizarre, bizarre, rapide. Dis-moi. Écoute, elle est NLC là, je viens de capter là. C'est des chill à nouveau là. Tu leur as proposé une voiture à 30 000, non? Senta, ouais, Greenwood. Tu veux pas leur mettre un peu plus bas? Apparemment, ils sont pas riches. Bouge, bouge. Je peux pas. 28 000. 25, non? Je peux pas. Mais c'est des... En fait, c'est des véhicules. Ah. On achète au Punscar et du coup, bah, on a une limite gouvernementale. Donc on peut. On et c'est quoi? C'est combien la limite? Là, c'est vraiment 30 000 la limite. Ouais, 30 000. Ah, mais on peut pas plus par mois. De toute façon, je vais te dire à Mali, mon pote. Il n'y a pas moyen de gratter tout court. Hein, que ce soit Punscar. Ouais, j'imagine. Après, mais c'est quoi? En vrai de vrai, vous les connaissez ou pas? Ils sont bons ou pas? Parce que ça a l'air d'être bon, gars. Ça va. J'investis ou pas? Ça, c'est ma question. Ouais, pourquoi pas, après, ouais. Bah, après, moi, j'investis sur tout le monde parce que j'allais les faire bouger. Bah, en fait, je te mens pas, là, toutes les petites équipes qui sont en train de s'installer autour de vous, c'est que des Bloods. Donc, je pense que c'est les seuls avec qui vous allez pouvoir bien gratter. Ah, ouais. Et eux, c'est quoi c'est pas des Bloods, non? C'est des gars de Chirac. Ouais, c'est des mecs de Chirac. Ok, bah, vas-y, c'est bon. Je vais t'aider. Bah, vas-y. Mais même si. Vas-y, frère, en fait, j'allais faire bouger tout le monde, tu captes ou pas? Ouais, bah, là, je te dis. Du coup, maintenant, moi, je suis devenu. Moi, je suis devenu. Nathalie, là, on a glow up. Là, ouais. Vu que je peux le pouvoir, j'ai le pouvoir de faire pas tourner toutes les équipes. Vous pouvez, là, il y a des choses à faire. Vas-y, moi je vais les faire. Vas-y, je vais m'occuper. Mais t'as on est sur certains bises, hein, frérot. Après, oublie pas, hein, Mali, hein. Moi mon bise, c'est les tipeurs. Hein. Ça veut dire que vous pouvez leur fournir de la gueudro et tout, parce que moi, c'est pas mon bise. De toute façon, je te dirai si j'ai un truc. Tout le reste, tu t'appelles, frère. Tout le reste, tu connais ton gars. Hein. Toi, c'est. Vas-y, frérot. De toute façon, si j'ai un truc, je t'appelle, Mali. Vas-y, mec. Tu connais Ronan. Vas-y, mon ref. Vas-y, viens depuis le beat. Ouais, je vais pas l'acheter. Ouais, je vais pas la prendre. Je l'ai juste prise, en vrai, c'est pas moi. Va te faire enculer, en plus tu m'as baisé, bâtard. Je l'ai juste volé. T'as vu comment elle a augmenté au concess? Allez hop. C'est pas moi. Ouais, bah attends, en parlant de ça, mes sous. Quel sous? Attends, on en parlera. Mais je l'ai pas acheté, là, elle est au stockage. C'est juste j'avais besoin d'un véhicule pour bouger vite, j'ai pris la première qui était là. Ok. Bon. D'ailleurs, il y a un cadavre dans le coffre, mais bon, tranquille. Quoi? Ah oui, oui, non, c'est pas un cadavre, c'est juste le sac, quoi. Ouais, ouais, c'est pas un cadavre. Mais non, c'est un sac, quoi. Non, mais tranquille, vous me vendez un véhicule avec un cadavre dans le coffre, quoi. Tranquille. Tranquille, je dirais rien aux flics, toi, ça. Ouais. Regardez s'il avait pas un cuir, le cadavre. Balance. Ouais, j'aurais bien aimé. Vas-y, commence, je bon, finirai après. Déjà, les tableaux. Ouais. Bah, du coup, j'ai pas eu, encore eu les clés. J'ai rien dit. Des bureaux. Comme ça, tu sais. T'as vu? Non, attends, je parle pas encore des hautcasts. Ah, okay, ok. Ah, je veux bien les clés, du coup, parce que j'ai gardé ton bénéfice de côté. Mais... Clés, bureau. Tiens. Et clés du bâtiment. Tiens. Ok, nickel. Parfait. Bah, je vais te poser ton bénéfice après, c'est carré. Oh, t'inquiète pas. T'inquiète. Ouais, hautcast. Bah, du coup, en vrai. J'avoue, je vais pas être de mauvaise foi. Hier, j'ai peut-être un peu ouvert ma gueule pour rien. Oui, t'as montré tes couilles. En vrai, j'ai montré mes couilles pour rien, mais je l'ai fait en fait en connaissance de cause parce que je m'attendais pas à ce que ces mecs-là, après autant de business qu'on a fait ensemble, ils me testent en fait. Ouais. Genre, en gros, on était sur rendez-vous, j'arrive et tout.
Et je leur dis, ouais, d'ailleurs, si vous... Enfin, vous savez c'est qui le mec qui revend les tableaux, qui rachète des tableaux? Ils me disent, non, on sait pas c'est qui. Je dis, bah, c'est moi. En vrai, je suis con, j'ai flex pour rien. Mais en fait, pourquoi je fais ça? Parce que si, tu vois, moi, j'ai commencé le business avec eux à l'ancienne. Et t'as vu, on a toujours fait le business de tableau ensemble. Et ça me tenait à cœur de ouf, tu vois, de leur dire, bah, t'as vu, regarde, maintenant, avant... Tu vois, maintenant, j'ai step up, tu vois. J'ai voulu faire le prouveur pour rien, tu vois. Et bref, après, ils me disent, ah ouais, mais tu l'as récupéré à qui? Du coup, moi, dans la panique, j'ai inventé un mensonge. Je dis, ouais, au Wolf. Bref, machin, ils me disent, comment tu l'as eu? Tu mens, les Wolf, on les connaît très, très, très bien. Ils nous l'auraient dit, machin. Je dis, ouais, je les ai vus sur le place, je les ai braqués, j'ai pris la clé, machin. Et en gros, ils m'ont dit, ouais, mais tu crois, on est qui, en fait? Nous, on est les Outcasts, on est puissants, donc on sait très bien qui gère ce business-là. Ouais. Et tu vois, là, ils ont senti la patate arriver. Ils m'ont dit, vas-y, de toute façon, tranquille, on en discutera et tout. Là, chose qui t'occase, la tête de WAM, il y a deux Outcasts qui viennent à l'heure du show, à 10 minutes avant le showcase. Hein. Il y avait au moins, mais quand je t'ai dit, il y avait au moins 40-50 personnes. Il y avait grave du monde. Ils m'ont braqué au milieu de tout le monde. Ah, t'ont braqué? Ouais, ils m'ont braqué au milieu de tout le monde. Mais c'est pour ça que là, les Hoover, ils veulent s'en mêler. Hein, parce que braquer Inglewood sur une entreprise qui bosse pour Inglewood et tout, ben là, les Hoover, ils sont grave vénères hein, contre les Outcasts. Mais bref. Ils m'ont braqué au milieu de tout le monde à 23h20 alors que le truc commençait à 23h30, j'avais un peu le seum. Bref, on a parlé, ils m'ont dit ouais regarde, donc ils m'ont dit ouais t'es sûr tu maintiens ta version et tout, donc j'y réexplique tout et tout. Ils me disent ouais regarde là-bas, prends ton téléphone, zoom. Je zoom et tout, je vois Omar, ils me disent ouais regarde c'est Omar et tout, tu le connais? Je dis ouais ça me dit un truc et tout. Il m'a dit ouais tu le connais d'où? Je dis ben il a acheté un Jubilee, un autre truc et tout, un autre Skitokaz. Il m'a dit tu fais du bise avec eux? Je dis ouais. C'est exactement ce que t'as dit toi en gros. J'ai dit la même chose moi. Moi j'ai dit en gros non mais tu vas voir la dinguerie. Parce que si t'as rien dit c'est que c'est une dinguerie de fou. Vas-y putain, je sens pas. En gros ils me disent quoi? Ils me disent ouais t'as fait du bise avec eux. T'as vu moi juste pour légitimer le truc j'ai dit ouais ils m'ont vendu un peu de Keta et tout tu vois. Parce que forcément si je disais je les connais pas ni Nadan ni Del, ils allaient jamais y croire tu vois. Donc j'ai dit ouais ils me vendent un peu de Keta et tout et je sais qu'ils savent très bien que vous bossez sur ça tu vois. Donc j'ai dit ouais machin, après ils commencent à me tabasser, à me dire ouais tu mens et tout. Je dis ouais bon j'avoue je leur ai vendu une trentaine de tableaux tu vois. Et là il me dit ah bon 30 tableaux. Il me dit ouais c'est bizarre parce que Omar là-haut il dit que tu lui as vendu plus de 500 tableaux. Non il a dit que tu l'avais vendu. Oui j'ai dit qu'on faisait quelques tableaux et tout, oui ça je l'ai dit. Bah moi ils m'ont dit il nous a dit plus de 500. Oui, bah non, et c'est ce qui s'est vraiment passé parce que je vous en ai donné à peu près 700 la première fois. Ah, il y en avait même 750, 800 je crois. Voilà, donc en vrai, c'est l'info qu'ils ont sorti de leur chapeau, elle est grave réelle. Après, ouais. Pourquoi ils l'ont pas sorti de leur chapeau? Je pense ils savent très bien parce que moi je bossais avec eux, je leur ai jamais ramené en dessous de 500 en vrai. Ah bah, ouais. Je leur ramenais toujours entre 500 et 1000, donc en vrai, ils connaissent, ils savaient de quoi ils parlent, tu vois. Ils savaient de quoi ils parlaient, du coup, ils ont essayé de me déstabiliser. Ils m'ont sorti une AK, moi j'ai maintenu ma version, j'ai dit écoutez, moi c'est comme ça. Et après, tu vois, Roman, Terrell et moi, on avait quand même une relation, c'était plus du biz quoi, c'est personnel. On est grave potes, tu vois, tous ensemble. Et du coup, tu vois, ils m'ont déjà sauvé le cul et tout, enfin bref. Bah, vu ce que je vais te dire tout à l'heure, je pense que tu vas plus dire que c'est tes amis. Ce qu'ils m'ont fait. Et là, en gros, ils m'ont dit clairement, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, bah mec, il m'a sorti l'AK et tout, il m'a dit, bah écoute, tu veux mentir, on sait très bien que tu mens, t'as vu? Maintenant, entre nous, c'est fini, tu nous oublies, tu parles plus jamais de nous, on parle plus jamais de toi, et terminé. Moi, je comprends pas. Ouais, mais ça va pas être ça, hein. Sache-le. C'est pas ça. Non, mais ça. Je sais très bien que ça va pas être ça après. Non, mais écoute ce qu'il va te. Vas-y, dis-lui, Omar, en vrai, ce que t'en. En vrai, attends, je vais lui dire Omar, au moins tu me dis, bref. Ouais. En gros, le truc qui a été assez simple. Nous, on avait un biker aussi, tu vois quoi. En gros, ils ont pété Omar avec une voiture de flic habillée en flic. Waouh. Voiture LSPD, hein, en vrai, ça se perd. Ils m'ont dit, c'est grâce au cartel d'ailleurs. C'est grâce au cartel qu'ils l'ont. Bref. Ils ont pété Omar comme ça sur un contrôle. Ok, nous on a pété notre biker. Bon, bref, on en avait un chacun. Et bref, lui, il s'en battait les couilles un peu du truc. Ils lui ont posé des questions. On en a dit, bref, il y a rien qui commente l'a dit. Ah, les bâtards, j'ai compris pourquoi ils ont fait ça. Parce que, attends, juste, je te dis, en gros, moi je disais. Parce qu'ils m'ont dit, ouais, mais pourquoi lui il dit plus de 500? Je disais, bah, je sais pas, moi je le connais pas. Il fait exprès de faire genre je mens pour se sauver lui et me tuer moi, tu vois. Genre, je faisais. En fait, je faisais limite, genre, on était ennemis, tu vois. Moi je disais ouais c'est un menteur, il veut me faire buter parce que je suis allé sur son bis de tableau que et son intermédiaire c'était les Wolf et tout tu vois en fait mon truc il tenait la route mais ils y croient zéro, je sais pas pourquoi. Et le truc c'est qu'à la fin ils te pose pas de questions ça mon pote. Ouais.
on a fait l'échange des otages. Omar était avec dans la voiture. Ce trou du cul étant nos parleurs, le conducteur étant nos parleurs. Et lui, le seul truc qu'il voulait, c'était te buter et récupérer. En gros, là, oui, il veut te reprendre la clé, du truc de tableau. Il a dit qu'il allait se faire enculer et qu'il allait se faire foutre ce qu'il a fait. Mais t'as cherché plein de raisons pour te mettre. Roman au téléphone. C'est lui qui parle comme ça là. Oui, il t'en a parlé. C'était Roman au téléphone. C'est Roman qui disait ça. Oui. En fait, le problème, c'est que là. Oui, je suis sûr que oui. Là, le problème, en fait, c'est que ils ont cherché tous les prétextes pour que tu mentes, tu fasses ci, tu fasses ça. Tu sais que c'est une folie, hein. Je sais pas. Derrière, ils te cannent en fait. Mais je sais pas pourquoi, parce que tu vois, on fait du bise. Je fais du bise avec eux depuis très longtemps. Mais vraiment, quand je dis très longtemps, c'est des années. On fait du bise ensemble depuis des années. Je comprends même pas comment hier, sur le rendez-vous, ils me disent « Ouais, non, on connaît pas le revendeur de tableau. » Et après, ils me disent « Ah bah en fait, si. » Et après, en message, elle me dit « Ouais, en SMS, elle me dit « Ouais, c'était un test, machin. » Je dis « Mais t'es sérieux, on en est au point de se tester ?» Tu te souviens ce que je t'ai dit? Tu fais trop confiance aux gens, Skittles, et tu penses trop que c'est tes amis. Ben t'as vu, regarde, moi je vais te dire un truc, je vais être honnête avec vous, je vais pas vous mentir, parce que vous me tendez la main, je vais pas faire le bâtard, cette info je peux la garder pour moi, tu le sauras jamais. Avant de plus être en bise avec eux, je viens de leur acheter un pompe. T'as un scié? Ouais. Petit bâtard, en plus je voulais t'en vendre, hein. Je sais, mais t'as vu, en fait, tu sais comment j'ai réfléchi? Je me suis dit, de toute façon, que je vais me mettre de votre côté. Parce que y a 10 000 raisons, tu vois. Vous êtes black, vous me proposez plus que eux m'ont pu me proposer en plusieurs années. Je me suis dit, faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, poteau. T'as bien raison. Tant qu'ils me font confiance, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Et en vrai, bénef, parce que à un jour près, j'aurais pas eu ça, tu vois. Alors écoute, maintenant ça va être simple. Écoute bien ce que je vais te dire et garde bien ça. Il va pas le raconter, tu fermes ta gueule, ouais, tu le gardes pour toi. Fermer ma gueule. Ouvre ta gueule, je te botte le cul. Hier j'ai vraiment trop ouvert ma gueule pour rien. Oui. Surtout sur ce que je vais te dire là. On est en train de préparer un truc très salace. Twinglewood nous suit. Peut-être à part les HPB. HPB, jamais ils vous suivent. Voilà. Et ne leur en parlez même pas parce que ils sont intermédiaires d'armes pour eux. C'est pour ça que ça, t'inquiète pas, on a fait les bails. Bref, demain, réunion avec Twinglewood. Moi, je vais gérer que le côté afro-latino. Je m'entends un peu les couilles, mais même je m'entends royalement les couilles. On va choper des hoovers. On va faire ce qu'on a. Quoi dire, t'as un pont? Parce que justement, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. On va enlever l'âge et le trône au soi-disant lion qui gère la ville. Mais le truc qui est assez simple, c'est qu'on a une idée simple et vif. C'est important de dire ça, vous comprendrez. Demain, j'expliquerai devant tout le monde, au moins ceux qui nous suivent, ceux qui nous suivent pas, ben Nicro Lormier, mais tout le monde suit, dont les hoovers. Les hoovers sont. Les hoovers, ils vont vous suivre à 2000%. Ah, les hoovers, ils sont à 2000% sûrs. Ouais. C'est quoi, je vais te faire confiance une dernière fois. Au moins, il t'ouvre pas ta grande gueule. On va choper un outcast. Pas n'importe quel outcast. Surtout une certaine personne. Pas maman ou papa ou je ne sais qui. Je vais la prendre. Je vais le prendre. Je vais lui mettre le calibre sur la tempe. Et je vais les punir de business. S'ils veulent pas comprendre. Bing, bang, boum. Au fond d'un trou. Ok. Et après, on va les éteindre. Petit feu par petit feu. Ok. Et puis, jusqu'à l'extinction des outcasts. Le prochain afro-américain qui taffe avec eux. J'espère qu'il y a un putain de bateau qui va pouvoir le récupérer plus tard parce que je veux pas lui vendre un gramme ni un seul pétard. Donc, on commence à lancer les hostilités un peu partout là. On commence à leur faire comprendre que. Si jamais ils travaillent avec les outcasts, ils pourront pas monter dans le bateau avec nous. Okay. Donc derrière, il y a pas mal de personnes qui commencent à rejoindre notre cause. Voilà. Et c'est pas fini parce qu'on n'a pas fini de parler avec les gens, mais ils vont tous se mettre de notre côté. Toi derrière, en plus, tu t'es fait menacer du coup de mort par une de ces personnes. Donc si jamais un jour, comme t'as dit Adama, on attrape une certaine personne, on t'appellera directement et on leur donnera ce que vient de dire Adama, là, les ultimatums qu'on va leur faire. Parce que là, on va les éteindre, je te cache pas honnêtement. Ouais. Et dans les jours d'avant, le problème, c'est que nous, on faisait rien. Ils nous chassaient, leurs petits nous chassaient, les grands, ils disaient « Ouais, nous, on veut rien, etc. » En fait, c'est illogique. Ils savent plus gérer logique. Et là nous, on faisait rien. On les a jamais attaqués. Là, ils ont décidé d'attaquer. C'est eux qui ont décidé
En fait, c'est eux qui ont creusé leur tombe, tout simplement. Ouais, ouais. Ouais, mais pourquoi ils vous ont attaqué, vous? Vous avez fait quoi? Rien. Bah, en gros, non, non, en gros, c'est simple, je vais lui dire un truc d'avant. Il y a eu un de ces gars qui a lancé un cocktail Molotov sur mon véhicule, un des petits. Je lui ai tiré dessus. À partir de ce moment-là, ces petits ont commencé à me chasser. J'appelle son président, il me dit ouais, non, j'en ai rien à foutre, je vais rien avec vous. Et deux secondes après, bah, il y a encore ces petits qui me chassent. Donc j'ai appelé la grande et c'est menacé, tu vois. Plus à gérer les... Oui, ils arrivent plus, ils arrivent plus. Mais moi, je vous le dis, hein, même là, sur le rendez-vous, je leur ai dit, hein, parce que le mec qui parle comme ça, là, je sais pas comment il s'appelle, ce fils de pute. Mais lui, pareil, hein, il était sur le rendez-vous, c'est lui qui me parlait et tout. Je disais, mais frère, en fait, depuis toujours, moi, je fais du bise avec vous. Et vous me faites parler avec un mec, ça fait une semaine, il est dans votre club, je sais même pas c'est qui. Je disais, frère, là, t'as... En fait, on fait autant de business ensemble, je t'ai fait gagner des millions, etc. Et toi, tu me fais régler une histoire, genre une histoire sérieuse, tu vois, par un mec, je sais même pas c'est qui. C'est comme si toi, demain, je sais pas, je te mens un truc, tu me fais braquer par un gars, je l'ai jamais vu de ma vie. Ça a aucun sens, tu vas venir me parler toi, tu vas me dire les choses, tu vois. C'est le Bailey qui t'a parlé. Ouais, celui qui... Bah, moi aussi, c'est lui qui m'a parlé. Et quand c'est lui aussi celui qui t'a parlé. Bah, je lui ai dit pourquoi c'est lui qui me parle. Elle m'a dit bah si j'ai envie. Elle m'a dit ça, Roman. Ok, bah vas-y. Moi je vous le dis, t'as vu, je vais être honnête avec toi. Ouais. Roman, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a eu un peu un rôle de daron avec moi. Ouais. En gros, je sais pas ce qui lui est arrivé dans sa vie. Peut-être elle a perdu un enfant, peut-être elle en a jamais eu, peut-être elle peut pas en avoir. Mais en gros, depuis toujours, elle m'a toujours considéré un peu comme son fils, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est la raison pour laquelle à chaque fois les outcasts, qu'il y a une histoire, ils ont voulu me baiser à chaque fois. Et en fait, bah, Roman à chaque fois, et, tu vois, parce que quand je suis arrivé sur le rendez-vous, il n'y avait pas encore Roman. Et ils m'ont dit vas-y, venez, on parle avec Skittles, on lui fait du mal parce que quand elle va arriver, on pourra rien faire. Parce qu'en gros, elle m'a toujours protégé, tu vois. Et il y a eu une histoire à l'époque où c'est elle qui, entre guillemets, m'avait sauvé parce que moi j'ai joué avec ses sentiments, tu vois. En gros, je disais que je lui ai fait croire que j'allais me faire buter par des mecs. Et du coup, elle est tombée dans le panneau, elle pleurait pour moi. Mais là, Skittles, le problème, c'est qu'au téléphone tout à l'heure, avec celui-là qui parle comme ça, elle s'en battait les coups de ta gueule que maintenant, j'ai l'impression, ouais. Mais en fait, je sais pas c'est quoi l'élément déclencheur. Hein. Là, je En gros, c'est le mec qui s'appelle ça, celui-là qui parle comme ça, qui a tout chauffé. On est d'accord, c'est ça, moi. Ben, je sais pas, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils gèrent plus leur bail et ça me fait chier parce que moi, je te jure, je les aimais bien. Même, tu te souviens, là, je t'ai dit que moi, ma condition pour que je vous aide, c'était que tu butes pas Terrell et Roman. Mais là, maintenant, frère, je te mens pas. T'as plus rien à foutre. Je sais pas. Vous voulez pas ce que je t'ai dit? Ou au moins, avant qu'ils meurent, j'aimerais avoir une discussion avec eux. Mais en gros, je vais me répéter parce que je pense que tu t'enregistres pas bien. Au moins, tu vas bien ancrer dans ton putain de cerveau. Là, sur cette guerre-là, et que ça soit dans le futur, comme je te l'ai dit. Ça se trouve, il ment en fait. T'as fait des choix. C'est pas vrai, ça se trouve. T'es avec nous jusqu'au bout. Ouais, je sais, Renan. On travaille pas, on avance. Et ça, tu vas être là de A à Z. Moi, c'est pour ça que je vous suis. Hein. C'est pour ça que je vous suis parce que je sais que quand Renan il dit ça, droit dans les yeux, c'est pas pour rien. Maintenant, je sais que dans tous les cas. Toi, tu vas être rentable à me mettre bien et moi aussi. On est là aussi par intérêt. Mais, à capter, moi, je sais que ça va plus loin que ça. Et avec eux, j'avais l'impression que ça allait plus loin que ça. Et en fait, non, tu vois. Maintenant, moi, je vous le dis, malheureusement, ils veulent me. Enfin, je pense pas que là, tu vois, ils aient vraiment envie de me buter. Je pense qu'ils étaient vénères un petit peu, tu vois. Ils étaient un peu énervés. Là, il faut. Soit il faut trouver une raison qui me refasse confiance. Et moi, je vais jouer le jeu de genre. Tu sais, je vais jouer le suceur. Je vais leur envoyer des messages en mode je regrette ce que j'ai fait et tout. Enfin, ou je sais pas, tu vois, en mode c'est dommage que ça se finisse comme ça et tout. Et genre, vous, faudrait qu'on trouve un alibi, tu vois, un truc genre en mode Skittles avait les clés du labo, on sait pas comment. On lui a récupéré et nous on se remet sur le bise, tu vois. Faudrait que les gens aient cette info, enfin que les outcasts aient cette info en mode. En gros, nous ça va être simple, on t'a attrapé le jour malade dans la soirée. On t'a mis une bonne branlée, on a récupéré ta clé parce qu'on savait pas que t'avais un putain de double de clé. Et le problème, c'est qu'ils vont se dire ils qu'on est de mèche. Ils vont te demander où tu l'as eu. Non mais tu sais ce qu'ils vont se dire. Ouais, ils vont se douter. Ils vont se douter qu'on s'est fait un rendez-vous et qu'on tu vois. Juste moi, en vrai, ce qu'il faut que je fasse, c'est que si je reparle au podcast, je dis que je me suis fait baiser ma race, que vous m'avez pété et que je cherche à vous niquer, tu vois. Faut que je leur fasse croire moi, ça. Ouais, comme ça, ils vont peut-être se dire. Je vais les éteindre là. Hein. Allez, là, c'est parti. Hein. Là, je te dis dans 72 heures. 72 heures ou voire plus. Je vais déjà en attraper un. Et je vais l'éteindre. Parce que moi, le problème, hein, c'est que là. Ils font des trucs de dingue. S'ils voient ma gueule avec vous.
et que ils voient et que concrètement ils voient que je suis contre eux, moi je vais mourir, hein, me faire buter, hein. Et le problème c'est que moi tu connais, hein, je peux pas. En fait moi je peux pas être un mec qui disparaît. Mon business c'est moi, tu vois, les petits ils ont besoin de moi. Tu vois, je suis encore trop public. Quand je vais commencer à vraiment step up, je vais mettre des mecs à ma place qui vont gérer et moi je ramasserai juste l'argent. Et là, tu vois, je suis encore dans la position où je suis toute la soirée au skitocase, c'est pas compliqué de me péter, tu vois. Moi je t'ai dit, je vois plus loin pour toi. Maintenant, le truc qui va être simple, que c'est même si j'en abats un, tu viendras, tu pourras lui poser des questions quand il sera seul. Et après je l'abattrai, tu seras masqué, bref. Ok, ça marche. Mais là, le temps il résout. Là, c'est fini pour les outcasts. Ils savent même plus gérer leurs gars. Même les tipeux, quand je suis arrivé, ce mec et ces mecs-là n'avaient même pas écrit sur leur cuir outcast. C'était des prospects qui ne valaient rien. Même là, ils se faisaient marcher dessus, le président et tout. Ouais, en fait, il y a trop de moves de leur part qui sont illogiques. Vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que nous, enfin Adama, il trouve que ces personnes n'ont pas les épaules pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Et en plus de ça, voilà, il y a d'autres raisons d'à côté, nous, etc. Pour ça que nous, derrière, là, on va mettre un coup. Parce que, même moi, je comprends pas qu'ils m'aient testé sur une question aussi simple. Genre, ils m'ont dit, ouais, on sait pas c'est qui les revendeurs de tableaux. Je comprends même pas qu'après tout le biz que j'ai fait avec eux, ils me testent dans une discussion. Tu vois ? Ils voient ta gueule, ils voient juste un billet, ils voient juste de l'argent. Allez faire ce que je vous ai dit, là. Alors que, alors que pourtant, mec, ils m'ont jamais testé, hein. Dans toutes les discussions qu'on a eues, ils m'ont rarement menti et tout, hein. C'est déjà arrivé une ou deux fois, mais ils m'ont rarement menti. Ils étaient toujours en mode full honnêteté avec moi, tu vois. Tu sais ce qui ressort bien dans la rue, Skittles ou HPB, pour les petits trous du cul, alors que pour moi, ils ont rien à faire avec ça. Ces petits enculés refourguent des Glock et des Beretta à tous les cafards de la rue. En fait, je sais pas pourquoi, hein. Depuis toujours, les outcasts, ils ont été avec les HPB, mais depuis toujours. Je sais pas pourquoi, depuis le jour où je les ai connus, ils ont toujours cessu les HPB. Alors que les HPB, je vais pas te mentir, hein. Moi quand je suis arrivé, j'ai parlé avec les deux, la pièce où je l'ai mis c'est chez les Hoover. La puissance elle est là-bas, elle est dans ton quartier. Ben ouais, je sais bien. Et j'ai parlé avec certains de tes grands, ils m'ont dit que tu fais certaines conneries, des fois tu fais des choix qui ne leur plaisent pas. Mais ils t'aiment énormément, eux c'est de l'amour envers toi, c'est ouais, pas mais du c'est pareil pour moi. En fait, donc, malheureusement, les Hoover ont s'éloigné parce que ben il y a des trucs qui leur plaisent pas. Le fait que je prenne mon indépendance totale, que je monte trop, tu vois. Ah, ça, on n'a pas parlé de ça, tu vois. Mais bon. en vrai, mec, je te mens pas. Hein, les Hoover, ils ont été très solides. Du coup, ils sont très hauts. Et moi, j'ai été très solide. Du coup, je suis très haut. Du coup, ben ça a participé à la montée de l'un a participé à la montée de l'autre, tu vois. Et voilà, ça a été. C'est ce qui fait que North Singlewood est puissant. Ouais. D'ailleurs. En parlant de ça, qui sont tes alliés à qui tu fais à 100% confiance ici là? Les alliés? À part les Hoover. À part ton gars. Et puis à part ton gars et les Hoover. Les Hoover, AD et les Grapes. Ok, donc les Grapes, déjà, on va leur parler nous, notre côté. Toi aussi, il faut que tu leur fasses comprendre que. Voilà, ils vont plus travailler avec les outcasts, etc. Faut vraiment rayer de la liste tout ça. Toi, je sais que tu peux gérer avec eux. Nous, derrière, on va rajouter une couche. Après, est-ce que dans l'instant T, vous avez de quoi les fournir? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que tu sais que même les outcasts ils m'ont dit non, ouais, tu sais qu'il y a d'autres gens qui vendent des armes et tout. Je dis bah non, je sais pas. Ils me disent ouais, tu mens, machin. Ils m'ont mis Glock dans la bouche. Ah, tu mens, gros menteur et tout. Je te l'ai même pas encore dit. La vie de ma mère que tu me l'as pas dit. Je leur ai juré. Je l'ai même pas dit. Mais j'aurais non, dit butez-moi maintenant si je le sais. Je ne le sais pas. J'aurais dit parce que je voulais faire un truc, mais bon. Et pareil. T'inquiète, mais c'est juste que les Grapes, si je veux les convaincre, il faut qu'il y ait un truc derrière. Parce que eux, s'ils peuvent plus se fournir, voilà quoi. Moi, comme je te l'ai dit, mettant fétamine, parce que j'ai arrêté la quêta, je suis sur la mette. Ok. Mettant fétamine, je t'en ai à gogo. Des joujoux, j'en ai. Et comme je leur ai dit, c'est bien de la cam, c'est bien ceci, cela. Mais j'ai aussi des plans, là, mec. Ils ont préparé pas mal de plans de braquage, d'émissions, de niquer des gens, des trucs comme ça. Où j'ai besoin de tous les renauds de cette ville. Ok. Ben, je peux te dire que les Grapes, c'est des gars solides. Hein. Moi, j'ai participé à leur ascension. Je leur ai fait gagner beaucoup d'argent. Toutes les armes sont passées par moi et tout pendant des années. J'ai très très bien bossé avec eux. Et ben, résultat, ils ont réussi à éteindre les Wu. Hein. J'ai dû leur mettre un coup de pression aussi. Hein. Ah ouais, pourquoi? Ils ont la langue un peu trop pendue des fois. Des fois, ces gars, ils ont la langue un peu trop pendue. Ouais, après, ils ont. Tu sais, c'est des mecs qui sont habitués à être des petits. Donc pour le moment, je te dis, ils ne parlent pas trop devant eux parce que
sont habitués à être des petits, tu sais, les petits, juste ça pire, quoi. Tu vois. Ils ont vu une chaîne de chez nous, là-bas. C'est la chaîne des YBI. Ouais, ça a dit ça normal, tu vois. Non, bref. Ouais. Ouais, c'est un mec de chez les YBI, bref. C'est ce qu'on va faire, Skittles. Demain, 23h, il y a une réunion. Ouais. Viens masquer, parce qu'il y aura d'autres frères à nous. Au moins, ils savent pas qui on est, même s'il faut, tu viendras à côté de nous, genre de. Ouais, il se mettra derrière nous. En vrai, je viendrai masquer et je verrai les gens qu'il y a. Si c'est des gens qui craignent pas, je me démasque. Mais... C'est que des mecs Jinglewood. Ah, c'est bon, ça craint pas. Au moins, t'es au courant. Il y aura tout le bordel, toute la clique de Inglewood. Et on va vous dire certaines choses. C'est soit ça suit le bateau et on voit le futur, soit ça suit les vieux. De toute façon, frère. La maison de retraite, elle est juste au bout. Je vais pas te mentir, hein, à part les Hoover qui peuvent choisir un peu la direction où ils vont aller parce que ils sont puissants, les autres ils vont juste suivre. Mais ils ont pas le choix. Ils vont suivre le plus fort, hein, je te le dis. Hein. Ouais, ils vont commencer à jouer double jeu en mode outcast, nanana. Et quand ils vont se rendre compte que vous allez avoir le dessus, ils vont vous sucer. Hein. J'en vois un qui bosse avec les outcasts. Écoute bien Skittles, hein, au moins t'es au point. J'en vois un, que ce soit les Grape ou les NLC ou je ne sais qui. Force à lui. Mon coffre est grand, comme tu l'as vu, on peut en mettre plusieurs de bâches dans une chasseur, tu peux en mettre qu'un, mais dans l'argenton, on peut en mettre 3 ou 4. Ouais, mais tranquille, je te dis, moi je vais en toucher un mot grape, et si, je leur dirai que c'est le bon choix à faire. Je te dis, ces mecs-là, ils m'écoutent, hein, parce que s'ils ont éteint les roues, c'est... Je peux pas dire que c'est que grâce à moi, mais principalement, ouais. Voilà. Okay. En tout cas, demain soir là et puis au moins tu verras bien comment ça se passe et ce qu'on va dire. Vas-y, ça marche. Moi de toute façon je vous suis à partir de maintenant avec ce qu'ils ont fait. Avec ce qu'ils ont fait, je vous suis. Moi tu dirais pas, je t'ai menti, hein, je t'avais prévu bien avant. Tu vois, mais de toute façon moi j'étais déjà pour, hein. Même avant de vous connaître j'étais déjà pour les baisers, mais il y avait des, tu vois, il y avait les raisons du cœur aussi, mais au final dans le biz, vas-y, hein, faut penser qu'à sa mère. Hein. Donc vois, c'est ce que moi, je vais faire. Moi je t'ai déjà appris un truc, c'est déjà pas mal. Maintenant il y a d'autres choses à apprendre et d'autres choses à apprendre pour que tu montes en échelon. Mm. Et bah vas-y, on se voit demain 23h, Skittles, c'est bon. Vas-y, ça marche. Vas-y, à demain les gars, merci encore. En plus. Ouais, allô Dash. Ah, c'est du Cobain. Ouais, tranquille. Tu veux me voir? Pas maintenant, dans la soirée peut-être, ouais, c'est encore là. T'es encore là ou pas? Je vais pas trop tarder là. Je viens de finir un rendez-vous avec les YB là, du coup par rapport à ce qui s'est passé avant. Par rapport au Outcast là. Ouais, non, mais ça raconte quoi au final? Ça a dû quoi ce rendez-vous? Rien de spécial, hein, mis à part que moi en fait à la base je m'étais engagé avec eux pour baiser les Outcasts il y a quelques jours, mais je leur avais demandé des conditions. Je leur avais dit ma seule condition c'est que vous tuez pas Roman et Terrell. Mm-hmm. Et du coup, tu veux baiser les Outcasts d'un coup? Ben, pourquoi je vais baiser les Outcasts d'un coup? Parce qu'ils ont donné le bisa au HPB avant moi. De quoi? Ah, bis d'arme. Ouais, et parce que frère, au bout d'un moment, si moi, t'as vu, je veux le vrai bise en fait. Je veux pas être un intermédiaire, je veux le vrai bise. Et les seuls qui sont atteignables, c'est eux. Parce que Osvaldo, je voulais le baiser, mais Osvaldo, bah il est mort. Et les YB, c'est mes alliés. Et les Outcasts, ben voilà, moi je veux le vrai bise, mec. S'il faut trahir son meilleur ami pour du vrai bise, moi, mon meilleur ami, je m'en bats les couilles, hein. Moi, il n'y a que ma famille. Hein. La famille, c'est vous et AD. Et personne d'autre.